Je vais garder le plan ce soir. Et bonsoir. Alors, on va pouvoir continuer Starfinder. Attendez, je vous démute le Discord que vous puissiez les entendre. Bon, il y en a un que vous l'avez bien entendu, hein. 32h, c'est ça, Ronin? Bonsoir à tous. On est à presque 33h, vu que j'ai attendu l'heure en plus, en compagnie de Fen, pour être sûr de ne pas m'endormir entre eux. Ah, t'es encore en train de streamer? Non, non, il a coupé, il a coupé, il dort là. Attends, je vérifie. Ah non, même pas. Si, oui. Ouais, c'est juste que j'étais sur l'image, c'est pour ça fixe. Je voyais encore ta tête, je me suis dit, il l'a pas coupé. Putain, il faut que j'ouvre le live aussi, moi. Ça peut être pratique. Pour gagner des petits points. Oui, ça peut être pratique. Surtout que j'ai rajouté des articles dans la boutique. Ouais, j'ai peut-être des choses à gagner. On va pouvoir soigner les ennemis. Pas regarder aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Pas regarder aujourd'hui parce qu'il y a un truc de prévu. C'est-à-dire qu'on nous voit dans les boutiques, il y a le soin des PNJ. Donc pas forcément les ennemis. PNJ. Une fois par PNJ. Pas plus, hein. Faut pas pousser mémé dans les orties. Et la boule de feu. Enfin, j'ai appelé ça Ouch Bobo. J'en viens. Ouais, Ouch Bobo. 1d6. Dans la gueule de ce que vous voulez. Un PNJ, un joueur. 1d6. Et il y en a 6 à acheter. J'ai calculé, techniquement, aucun d'entre vous ne peut en mourir s'il est full life. S'il est full life. C'est techniquement qui est... Oui, bon, hein, on parle de full life. Hein. Si vous êtes un peu amoché, c'est pas mon problème. Et puis après, il y a les soins, quoi. J'en connais, là, tu vois, dans le chat, j'ai vu Altea, bonjour. Je l'ai vue, elle sait, je la connais. Elle aime bien vous pourrir, et ensuite vous soigner, et recommencer. Alors, il y a Hera, ouais, je vais pas accrocher son pseudo, bonsoir à toi. Albert, toujours là. Ouais, non, j'ai pas envie de me faire vriller les oreilles comme la dernière fois. Hein. Dans la face de ce qu'on veut, donc allez, on va en mettre une OMJ. Tu peux pas dans ma gueule, mais tu peux mettre dans toute la gueule des PNJ. Et il y a Team Cryptepper, bienvenue à toi aussi. Même un poulet qui a rien demandé, oui. Oui, techniquement, c'est dans n'importe quoi, même dans un vaisseau. Je compte ça comme un PNJ ou un personnage joueur. Donc vous pouvez leur mettre un D6 de dommage. C'est cadeau, c'est gratuit. Du coup, on va faire le petit tour de table pour savoir comment ça va, par Ronin, qu'on sait qu'il est claqué. Il y a de l'écho en provenance de chez moi? Je sais pas. Peut-être de chez moi, attends. J'avais mis audio du bureau et audio Discord. Essayez de parler. 1, 2, 1, 2. Bonjour, 1, 2, 1, 2. 2, 3, 4, 4. C'est bien, on sait compter au moins jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 7, 7. J'ai pas dit tous les chiffres, mais c'est pas grave. Détail technique. C'est mieux, c'est réglé. Voilà. Ok, donc c'était bien l'audio du bureau. C'était pas moi. Oui, mais c'est toi qui les accusais, tout de suite. Ça devait être moi, je fais 32 heures et j'ai pas de vrai problème de son, à part le jeu à la fin qui était pas assez fort. Et tout de suite, il y a un problème de son, c'est moi qu'on accuse. Tout de suite. Tu vois, c'est pour te garder éveillé. Ils veulent pas que tu t'endormes. En plus, t'es le pilote du vaisseau. Non, 33 heures révolues et quelques secondes. Du coup, ça va les gens? Oui. Bonjour. Non. Ouais, non, mais Ronin, tu comptes pas, toi. T'es en catégorie aujourd'hui. On va se cracher sur une météorite. Ouais. Ça, c'est si t'as de la chance. On a déjà qu'on se ressorte devant les autres vaisseaux. C'est ça? Alors attendez, je décale juste mon Discord parce que. Il est devant l'écran Roll20, ça me fait chier. Du coup, j'étais sur la feuille des persos. Donc j'ai pensé à vous donner l'XP des gobelins que vous avez pas donné du bar. Des 18 gobelins que vous avez massacrés dans un bar. Ouais, le génocide, c'est génial. Alors, j'ai mis qu'est-ce qu'il vous faut pour atteindre le prochain level. Alors là, c'est pour tous ceux qui sont niveau 2, c'est 3300. Et puis, il y a Dynamic Game. C'est 10 000. Tu te rends compte quand même, Ronin, que tu dois atteindre les 10 000 d'XP alors que tu en es à 2 000 et quelques? Non, mais tu te rends compte, Arto, que je passe les niveaux sans avoir rien à foutre du premier? Ouais. Je m'en rends compte. De base, il n'y a pas encore eu un seul level up de par quête. Si. Enfin, par combat. Il y a un combat qui vous a amené au level 2. Qui a amené toute l'équipe au level 2. C'est le seul level up normal qu'il y a eu.
Donc Et je c'est à bute à moins partir level de là 3. que j'ai Bah c'est pour décollé, ça que t'es moi. level 3 en théorie, Groob. Je suis pas level 4, on va le faire 2. Parce que je viens de voir que je suis 3, mais je sais bien que l'autre fois ça a râlé sur le fait que j'avais eu 2 level up. C'est qui déjà qui a gagné son level up la dernière fois? C'était Ronin. Ah oui. Non, je cherche pas, hein. Au jeu d'alcool, il y en a eu que 2 qui ont participé et c'est Ronin qui a gagné. Ne me pose pas la question du premier qui est tombé dans les pommes. Hein. Je prendrai ma revanche un jour. Peut-être. Ah, du coup, je vais vous amener sur la map de combat où on en était. Hop! Le combat spatial. Ça va être marrant. Donc, du coup, j'ai relu un peu les règles hein, quand même pour savoir comment ça se passe. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, hein. Donc, il y a trois grosses phases dans le combat. La première phase, c'est l'ingénierie. Donc, tous les ingénieurs de tous les vaisseaux agissent à ce moment-là. Tous ceux qui ont pris le poste d'ingénieur. On s'en fout dans quel ordre, puisque de toute façon, ça concerne que leur vaisseau. Ensuite, c'est la phase de manœuvre. Donc, c'est là où le pilote et l'officier scientifique agissent. L'officier scientifique doit agir tout de suite avant ou tout de suite après son pilote pour faire son action. Achat de crédit. Je m'en occupe tout à l'heure, une fois que tu as spammé les 5. Et. Pour le cinquième, je vais devoir attendre, j'ai que 890 points. Oh, t'as 800, tu me déçois. Et donc, enfin, la dernière phase, c'est la phase de canonnage. Je vous laisse deviner ce qui s'y passe. Alors. Boum! On jette X6 par-dessus bord. Non! C'est Ça ce qu'on peut fait, par exemple, marcher! il va mourir. Non, on fait pas le pari X6 peut mourir. Pour la simple et bonne raison que là, avec les boules de feu, c'est très facile. À ce niveau-là, je suis désolé. Comment dire? Elles sont faites pour moi one shot, hein. Elles sont faites pour moi one shot concrètement, donc C'est-à-dire calmez-vous. que si les planètes s'alignent bien, il se prend 36 points de vie, il en a 30. Bon, hein, il faut que ça se passe bien. Honnêtement, j'en doute. C'est plus qu'il a une nouvelle journée de la malchance, et puis c'est bon. C'est sur X6, ne doute de rien. Ah, quand même! 36, et même là, il n'est pas mort. Hein. Il est juste à moins 6. Donc, pas mort. Parce que ça marche comment la mort déjà? Je crois qu'il faut que tu atteignes ton niveau négatif de constitution en négatif. Donc, il faudrait qu'il atteigne les moins 12 avant de mourir. Mais si, il me rebalance une boule de feu et que je suis à terre. Bah, de toute façon, tu peux prendre que 36 maximum avec les 6 boules de feu. Ouais, mais quand je suis en PLS par terre, ils peuvent me renvoyer une autre boule de feu pour Ah faire tomber mon non, corps. les viewers ne pourront plus en payer, il y en a que 6. C'est tout. Ah, Les joueurs pourront plus en payer. Enfin, les viewers. Par contre, les joueurs, du eux, coup, ils ça... ont aucune obligation de te laisser en vie. du coup, ça veut dire que si jamais il est au sol, peut Oui. faire ce qu'on veut avec lui, comme le vendre à des personnes qui aiment les lézards et se gagner du fric. Non, mais après, j'ai des points de persévérance, cher ami, hein, donc je peux quand Oui, enfin bon, tu feras pas ton malin. Oh, pitié, ils lâcheront. Cool, Oui, en j'ai trouvé un supposant truc pour lui. qu'ils fassent rien de plus. Parce que je rappelle aussi qu'une certaine personne est allée voir les prostituées. Et il a Ouais, chopé un petit cadeau. ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Il peut le transmettre. On rappelle que c'était un échec critique, hein, donc ça a intérêt à être violent. Ah ouais, lui il l'a maintenant, toi t'as plus qu'à réussir tes tests de vigueur hein, pour savoir si tu survis ou pas. D'ailleurs, un de ces quatre, il faudrait que je réagisse à comment va marcher sa MST. Donc, du coup, la phase de canonnage pour le canon. Le capitaine, celui qui aura le rôle de capitaine, vous pouvez avoir qu'un rôle à la fois. Celui qui a le rôle de capitaine peut agir à n'importe quelle phase, quand il veut. C'est le seul qui a le droit de faire ça, sinon tous les autres sont placés dans leur phase. Alors, c'était décidé pour qui? Pour le capitaine déjà? C'était Ouais, Abelhomme? moi, Ouais. c'est ça. Vous avez pris celui qui a le plus gros charisme. Celui qui a Et la oui, c'est ça, Albert, et qu'il ne sait toujours pas qu'il l'a. Bah, il n'a pas fait de test, hein. Il n'a pas fait de test et ça c'est pas encore empiré, ça fait qu'une journée qu'il l'a. C'est quoi déjà la page pour les commandes qu'on peut faire? Alors. En tant que... Point d'exclamation, star. Les Non. règles de vaisseau, c'est dans les 300 et quelques, si mes souvenirs sont bons, 320. Ok. Non, 320, c'est les jets d'attaque, donc c'est un peu après. 322. Voilà, précisément, comme ça j'ai le bouquin moi aussi d'ouvert. J'ai Ok. transmis. Moi j'ai une page PDF qui me résume tout, j'ai pas besoin d'aller chercher. Voilà, je l'aurais mis pour ceux qui veulent. Je peux aussi vous le montrer comme ça, mais je pouvais vous le montrer à la main. Ce petit résumé des manœuvres faisables. Ah. Oh. Hein, que je vous ai mis dans le truc. Pour ceux qui veulent, Moi, je je vous l'ai ai mis aussi sur là. des C'est plus simple. écrits Ouais. d'hier, je vous ai mis un résumé de tout.
Voilà, c'est bien, moi je l'ai même pas ce résumé, je sais pas où tu l'as chopé. C'est toi qui l'as fait ou? De quoi, quel truc? Ah, il a mis le résumé, c'est con, je peux pas le... Ah si, ça marche, bah voilà. De tout ce que peut faire en fonction de ton poste et de ton level. Eh, non. Voilà, tout ce Il qu'ils l'a peuvent mis. faire en fonction de leur truc. Bah, dans l'écrit En JDR. écrit. J'ai Qu'est-ce rien que... compris. Dans l'écrit JDR. Merci. Discord. Voilà, et moi j'ai encore tout le résumé dans l'écran de maître sur comment se passe la phase de combat. D'ailleurs, je vais garder cette page ouverte. Voilà. On ferme ça. Là. Et maintenant, on va suivre la règle classique du dernier arrivé qui nous fait le résumé de ce qui s'est passé la séance d'avant. RIP. Ça l'empêchera de dormir. Le dernier arrivé. Si c'est pas trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé la séance Je suis Ça sûr va que c'est être déjà plus beau. ce que t'as fait il y a 2 heures en live. Quoi? Je suis sûr que c'est déjà même plus ce que t'as fait il y a 2 heures en live. Si, il y a 2 heures, si. C'était quoi? Alors, il y a 2 heures, j'étais sur XCOM 2 et Bam! à Il s'en peu de souvient. choses près, et à peu de choses près, je passais sur sur Gloomhaven. C'est dur, hein. C'est dur. Ça remonte à loin. Ouais, mon cerveau il est dur là. Tu m'étonnes. Il est très très dur. Et il y a des connards qui veulent que je fasse un résumé. Alors, c'est pas il y a un connard. Moi, j'ai demandé si on faisait une exception. Ah ouais, Et je dirais qu'il y a un écailleux, pour pas dire son nom, qui a dit non, pas déception, tant pis. J'ai pas dit qui c'était. Hein? non mais il a pas tort en soi. Pas d'exception. J'aurais pas accepté d'exception pour qui que ce soit. Donc c'est un juste retour des choses, je trouve. Mais en tout cas, Ronin, sache qu'avec ton résumé moisi, tu rends Albérec heureux. Oui, parfait. Du coup, qu'est-ce qu'on avait été faire déjà? Alors, on est allé voir, on est retourné voir la madame que. Oula. Tu veux Que, dire comment la il pute? s'appelle déjà ton perso? Cérébellum. Que Cérébellum, il avait apprécié. Ah oui, cette madame-là. Mais au Oui. final, elle était pas terrible. C'était moins bien la deuxième fois. Ouais. Visiblement, Cérébellum, il préfère quand il y a le frisson de il se fait surprendre. Quand il y a moins de Voilà. gameplay. Enfin, Il préfère quand il y a des gens. On le saura pour la prochaine fois, mais je pouvais pas deviner, moi. Pendant ce temps, il y a deux glandus qui sont allés parler à des types et qui ont tout Négocier. foiré en termes. Non, non, non. Négocier. Vous êtes allés parler à des types et vous avez tout foiré en termes de ne fût-ce que diplomatie. Alors, ne parlons même pas négociation, s'il vous plaît. Dis à la personne qui n'y était pas. Écoute, pour rater à ce point-là, je préfère ne pas y être. Donc finalement, on a pris un vaisseau où il y avait des gobelins qui se sont barrés avec nos navettes de sauvetage. Et à peu de choses près, on vidait tout l'oxygène de la navette parce que tout le monde suivait mon idée de merde. Un vrai Moi, leader charismatique. j'ai juste dit aux gobelins de se barrer. Et ils ont suivi ton conseil. Ils se sont barrés au final. Effectivement. Pas de la façon dont on l'espérait, mais. Et donc, vu qu'on laisse des ennemis se promener, ben, ils nous retombent sur la gueule et on en était là. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes, puisque eux, ils sont dans la navette. Là, c'est d'autres espèces gobelins qui se Ouais, promènent. enfin, bah, si j'appelle le grand frère à la rescousse, il va venir et tataner tout le monde aussi, hein. Bah, eux, ils sont plus nombreux, ça fait mal plus de fois. Ouais, d'ailleurs, il faut que je les nomme tous au passage. Et Ah. du 1, et du 2, et du 3, on Donc va tu pas se l'avais faire fait chier. déjà fait ça la dernière fois? Non, j'avais fait que le premier. Ok. De toute façon, là, pour le moment, ils sont pas hostiles, il n'y a pas de combat, donc. Ouais, enfin, c'est des gobelins. Hein. Alors s'ils sont pas hostiles, ils font Alors, quoi? ils sont cons. Ah oui. Ils sont cons, ils naviguent n'importe comment.
mais en soi, ils ne vous agressent pas. Ils sont, vous êtes en, vous venez de sortir. De hein. T'es raciste, Xis? T'es raciste des gobelins? Bah écoute, moi, pour moi, c'est, de la, c'est du enfin, c'est du free XP. Quoi. En fait, c'est pas qu'il est raciste du gobelin, c'est que c'est son seul moyen de level up. Il n'a jamais réussi autrement. parce que moi, j'ai pas de niveau, il n'y a pas de traitement de faveur hein, pour les cailloux. Donc, Bah écoute, quand il y a un traitement de faveur offert à tout le monde, bah, y a des gens qui le rejettent et d'autres qui savent pas boire. Oui, c'est vrai. Ouais, mais au moins, il a le mérite d'avoir essayé, lui. Alors, hop. Oui, mais moi, on m'offre un truc chelou. Ouais, mais moi, j'ai le mérite d'avoir gagné. J'ai le mérite d'avoir été chanceux. Ouais. Et j'ai eu le démérite d'avoir eu un mauvais jet de dés. Ouais. Alors, s'il faut, j'agrandirai la map ou je vous redéplacerai pour dire que vous naviguez. Hein. Donc voilà, vous voyez les gobelins qui font n'importe quoi. Hein. C'est... Je les déplace un peu au hasard parce qu'ils font n'importe quoi. Vous avez le contrôle en théorie de votre token ? J'avais dit de faire attention à ce vaisseau-là. Et on s'était mis au truc de combat et... Ouais, non, on rend feu. C'est ça. Feu. Ok. mais feu sur quoi ? Oui, là-bas. Non, et c'est bon, on va pouvoir faire le turn order. Hein. Hippocampe, il avait fait 24. Hein, il avait fait mais ça. Lui, il avait fait 29. Pourquoi les attaquer s'ils nous attaquent pas encore? Pendant qu'ils discutent. Il est parce que j'avais fait un test d'informatique pour mon. Et il y avait leur canon qui était armé sur nous. Ah. C'est pour ça que j'ai dit au pilote de faire attention à ce vaisseau-là. Mais je l'avais dit que dans sa tête. Et du coup. Il a crié feu. Voilà. Tirez sur le vaisseau différent. Je fais raciste, mais c'est différent. Comment on en rajoute un déjà? Non, c'est pas comme ça. Moi je dis. C'est peut-être que certains ils se sont dit lorsqu'ils ont envahi certains pays, c'est du free XP. Alors, si certains se sont dit ça, franchement, c'est des rôlistes très très cons. Ah, la Pologne, c'est du free XP! Surtout qu'il y a du monde là. Il y a du monde, on vient vraiment de réussir à atteindre le point Godwin. Désolé, je vais éviter. Non, vraiment désolé, je vais éviter de faire ce genre de blague en live. Non, mais c'est pas grave. J'offre une boule de feu gratos pour lui. Alors, donc le point Godwin, ça fait. Ah, tu te prends un dommage. Ça va, il était gentil. Hein. C'est cadeau. Ok, je vais arrêter ce genre de blague. C'est cadeau, hein, Uchu Bobo. Les viewers n'ont même pas besoin de le payer là. Xis, ouais, non là c'est vraiment multiplier les points Godwin. J'accepte ma punition. C'est le genre de truc. Je pourrais le faire, mais on risque d'être ban Twitch avant de terminer. C'est pas sur ma chaîne. Ouais, non, mais non, vous évitez. Puis ça serait con avec. Oui, non, vraiment, je m'excuse. Quieto. Désolé, hein, je fais les tests de pilotage pour les clampins. Je vais les faire dans l'ordre, et puis tant pis. Ah bah ça va. Ils sont. Ah ça va, et vous êtes à 48. Oh, ah, okay, en termes de canonnage et tout, vous êtes tranquille. Hein. Ah, ça va, parce que c'est nous qui allons se placer en dernier hein, là. C'est ça, vous êtes les derniers à vous déplacer. Donc tous les autres vont avoir agi, que vous allez pouvoir vous déplacer comme vous voulez. Et par contre, pour le tir, c'est pareil, vous serez le dernier à tirer. Hein, parce que c'est pas dans l'ordre le plus haut commence. Ça, par contre, c'est un peu con. Non, parce que en fait, c'est tout le monde tire. C'est-à-dire que la phase ne s'arrête qu'une fois que tout le monde a tiré. Donc tu peux avoir pris tes dommages que ta phase, elle s'est pas arrêtée. Même si t'es mort. Pendant qu'il te détruit, c'est arrivé à mes joueurs. J'ai pas vraiment envie que ça nous arrive. C'est ça. De toute façon, là, honnêtement, je pense qu'aucun gobelin va vous battre. Et à moins de leur tirer dessus, ouais, si, il y en a peut-être un qui va faire le con, pour le fun. Salut, Cloviac. Salut, Cloviac. Du coup, 17, voilà. On va... Ah, il y en a un que j'ai pas fait. Il m'en manquait un. 12.
Voilà, donc je les ai tous placés. On va pouvoir les remettre dans l'ordre. Il faut que je le fasse en mode décroissant. Non, en mode croissant, voilà. Donc, fin stage d'ingénierie. Qui est votre ingénieur? Moi. Et ben voilà, tu as le droit d'agir. Alors... Attends, faut juste que je revoie du coup... ce que je peux faire, là. Bah, ce round-là, pas grand-chose en soi. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus des trucs en mode réparation et tout ça, une fois que le combat a bien commencé. C'est ça. Si on prend le résumé que Groob nous a gentiment montré... En termes d'ingénieur, ouais, tu peux changer les effets de l'état critique d'un cran inférieur, mais... C'est pas utile. On n'a pas eu de dégâts, considérer l'état critique de deux grands, bah on n'a pas eu de dégâts. Voilà. Et augmenter les propulseurs, tu peux nous donner de la vitesse en plus, nous donner plus de OGL en tant que centrifique, donner un boost aux dégâts. Les dégâts font... Enfin, les dégâts, au lieu de que ça fasse un minimum, ça fera deux minimum, ou boost de bouclier. Ouais, bah je vais faire un boost de bouclier. Ben, c'est marqué ce que tu dois faire. Attends, non mais c'est... Juste, je rouvre. Tu fais un test d'ingénierie. Ouais, c'est juste, j'avais pas encore. Alors, je vais juste vérifier un truc si c'est le niveau global de joueur ou. C'est le niveau du vaisseau. Le niveau du vaisseau, c'est l'échelon du vaisseau, voilà. L'échelon du vaisseau, vous l'avez sur la fiche de personnage, je vous le donne pas. Échelon 1. Ouh. Ça commence bien. Par contre, il n'est pas échelon 1. Si, il est échelon 1, le vaisseau. Il est pas échelon 2, je pensais qu'il était 2. Non, il est échelon 1. Alors, j'ai. Je l'ai fait en prenant les règles. On a juste droit à un vaisseau de merde, donc c'est oui, bah... Ah oui, non, c'est vrai que ce serait de base, il est pas... Non, c'est de la merde, hein. Bon, de toute façon, c'est réussi, hein. Donc, ce que t'as voulu faire, t'as transféré l'énergie de certains systèmes qui ne servent plus à grand-chose et qui bouffent de l'énergie, pour booster cela. Donc, par exemple, tu as boosté l'énergie et t'as pris le peu d'énergie qui restait dans la zone de nacelle de sauvetage que t'as rebalancé. T'as dit dans quoi, les boucliers? La machine à ouais, café. Ouais, t'as plus de café, hein. Non, la cantina, elle est à août, là. Ah non, ah bah j'annule mon café, moi. Ah non, t'as chopé de l'énergie où tu pouvais. T'as besoin de tes armes, t'as besoin de ton réacteur, t'as besoin de ton générateur de bouclier. T'as... De toute façon, c'est le temps du combat. Voilà. Mais j'ai encore plus besoin du café. C'est tout le monde. Voilà, donc t'es le seul ingénieur présent. Donc t'es le seul à faire quelque chose. Les scientifiques, non? Non, les scientifiques, c'est pendant la truc de manœuvre. Ok. J'ai relu hein, aujourd'hui, donc c'est pour ça que je le sais. Donc du coup, c'est au 8 de choisir son déplacement. Il est où le 8? Putain, j'ai tellement. Il est là le 8. Qu'est-ce qu'il va faire ce con? Je leur avais mis quoi comme vaisseau? Je m'en souviens très bien en termes d'image, mais là j'ai plus leurs règles. J'avais vraiment mis le plus pourri que j'avais pu trouver. Ouais, c'était un échelon un tiers. Ah oui, pour qu'on ait une. Non, voilà, échelon un quart, voilà. C'était un échelon un quart. Donc c'est vraiment une bouse que je leur ai mis. Ah, par contre, ils peuvent voler et virer comme ils veulent. Wouhou! Oui! Bon, il est pas agressif, hein, il va se déplacer de ses cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il avance. Donc, il a survolé le vaisseau. Hein. Il faut compenser que c'est du 3D. Techniquement, il y a les hauteurs. Le 4. Le 4, il est où? Il est là. Bah, pareil. Hein. 1, 2, 3. Il pivote gratos. 4, 5 et 6. Car oui, il faut prendre en compte qu'en fonction de la manœuvrabilité de votre vaisseau, vous avez besoin de parcourir une certaine distance avant de virer de bord. Ouais. Donc c'est au pilote hein, surtout de prendre ça en compte. Dans le cas de l'hippocampe, il a une manœuvrabilité parfaite. Donc techniquement parfait, il a besoin de 0 pour virer. Donc il peut, dès qu'il a envie, un petit demi-tour. Enfin, il peut se décaler de 60. Donc, c'est-à-dire, sur l'hexagone, il passe un côté différent de l'hexagone. J'espère que je suis assez clair dans mes explications. Ouais, je connais le pilotage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, mais j'explique aussi pour les viewers. Et donc, je voudrais faire un looping vrillé acrobatique. C'est sûr que s'il y a des mecs à bord, ils pourraient, après un certain temps, avoir des virements de bord. Tout de suite. Alors, qu'est-ce que la cour a rejeté votre plainte car vous auriez pu alléger votre moral en activant la boule de feu directement?
Alors, il est où le malus? J'ai dit gratos, de toute façon, la boule de feu que j'ai mis sur Firkline. Putain, par contre, ça me fait chier, en fait, d'avoir que vous ayez autant de gobelins, là. Et 6, voilà. Le 3. Il passe vraiment n'importe comment. Là, vous avez pu voir le gobelin limite frôler votre carlingue. Mais la peinture. Oh, tu t'en fous, c'est pas ton vaisseau. Ah bah oui, c'est vrai. Ah bah c'est bon, alors. Ils font nain, ils savent pas où ils veulent aller, donc. Et là, on entend l'ambassadeur dire ma peinture. Bah. Après, il nous a pas dit que si on le cassait, bah, on devrait repayer. Hein. Ah vrai. Oui, il a jamais dit ça. Bon, par contre, je pense que si on le casse, c'est nous qui avons des soucis, si on est encore à l'intérieur. Ouais, mais c'est pareil, il y a d'autres vaisseaux tout autour, il y a pas de vaisseaux de gobelins à récupérer. Oui, alors, est-ce que tu vois, c'est quand même des vaisseaux monoplace. Bah oui, mais c'est bon, il y en a quatre. Chacun. Ouais, ça va être beau l'atterrissage. Si j'achète une boule de feu que je lance sur un vaisseau gob pour faire croire qu'il vient, ça passe. Non. La boule de feu, c'est quand même un truc. Le ouch bobo, ça vient un peu de nulle part. Donc après là, par contre, un échec de tir peut potentiellement finir sur un vaisseau gobelin hein, si y en a un dans l'axe. Nul. Mais à ce niveau-là, autant que tu payes les boules de feu pour l'envoyer sur l'hippocampe. Hein. C'était un personnage joueur, l'hippocampe. Le 10, il est où le 10 putain, je m'y perds. Hein. Je leur fais vraiment faire n'importe quoi. Le 5, c'est le seul qui n'est pas censé avoir déplacé. 1. Voilà. L'autre vaisseau. Ah, enfin un truc intéressant. De quoi, la mort d'Ixis? Non, le vaisseau là. Il n'a pas fait ses caracs. J'en ai pensé. C'est ta mort qui est planifiée, hein, pas la mienne. Non, j'ai planifié aucune mort. Je n'ai pas mis de défi pari sur la mort d'un des joueurs. Je tiens à vous le rappeler. Hein, de quoi? Je n'ai pas mis de défi. Est-ce qu'un tel va mourir? Ah oui, bah non. Cool. Oui, non, c'est vrai. Puis de toute façon, moi, je suis immunisé. J'ai déjà, c'était déjà la dernière session pour moi. Donc. Ça veut pas dire que je peux pas mourir une autre session. Qui a dit que c'était limité à une fois par session? Enfin, que après, il fallait que t'attendes 4 sessions avant que ça revienne. Est-ce que à la fin de la session précédente, tu as reçu ton totem d'immunité? Oui. Menteur. Il y avait eu le générique de Koh-Lanta après. Ça c'est parce que tu t'es trompé de chaîne. Et hop, il va tourner comme ça et il va s'arrêter là. Du coup, Ronin, à toi de faire les déplacements de l'hippocampe et l'officier scientifique de faire son action. Mettez-vous d'accord dans quel ordre? Déplace-toi, puis je verrai bien. Donc, t'es officier scientifique, pas capitaine en ce moment. Avec mon jet d'ingénierie que j'avais réussi l'autre fois, ils ont quoi comme armement? Tu l'avais réussi à quel point? C'est la grande question. Je sais bien qu'ils nous avaient dit qu'ils étaient armés, donc. Test piloting. C'est bien ce que j'avais fait, donc. Test piloting. Computer 26. Attends, je suis en train de relire. C'est D5 plus 1,5 de leur étalon. Oh. Ouais, non, mais c'est surtout que là, j'étais en train de relire l'hippocampe, j'étais en train de me dire, attends, mais ça, c'est le vaisseau qu'ils ont. Okay. Oui. Je comprenais pas. Mon jet doit être en fonction de leur vaisseau à eux. Mais bon, c'est un DD5 plus 1 demi leur étalon plus leur bonus. Donc, ouais, non, mais leur niveau de base, il est pas élevé, hein, je crois. Leur échelon, il est pas élevé. Du coup, tu découvres qu'il a qu'une seule arme. C'est plus un chasseur fait pour attaquer droit devant lui. Donc tu vois qu'il a... Ah non, il en a deux, ouais. En fait. Il a deux armes sur l'avant qui sont un gyro laser et un canon IEM. Ah, donc BG. Il a pas d'arme tourelle. Non, il semble pas avoir d'arme tourelle, à ce que t'as vu. Bon, bah, Dynamic Game, je te préviens, ils ont que des armes à l'avant.
Mais un gyro laser, c'est pas un truc justement qui peut tourner sur lui-même. Alors, oui, gyro, ça veut dire que ça tourne. Mais après, en fonction de comment ça tourne, ça tourne pas forcément tout autour du vaisseau. Tourner sur soi-même, voilà. Là, le stylo, il tourne. Hein. Ou, attends. Là, il tourne, toi, le stylo. Il tourne sur suivant un axe. C'est con, mais... Ouais. Bah, il tourne, hein, là. Là, je le fais tourner suivant son axe. C'est chelou, j'ai l'impression que chez moi, ça se met pas à jour. Qu'est-ce que t'as l'impression qu'il se met pas à jour? Le... Roll 20? Ouais. Recharge peut-être la page. Ouais, je vais recharger, mais je crois que c'est juste moi qui avais mal regardé. D'accord. Donc voilà, bah, dynamique, à toi de faire tes déplacements. En gros, c'est un minigun laser, c'est ça. Pshou, pshou, pshou. Comment je l'ai fait fail un tir Il n'y en avait plus à 2 heures. La question, c'est à qui, Cloviac? Parce que au PNJ ou à nous? Alors, du coup, nous, on a combien de déplacements déjà? 6. 6, je viens de regarder. 6, c'est en fonction de la manœuvre que tu veux faire. Tu en perds. 6, tu peux en perdre, mais donc en mouvement normal, c'est 6, et tu peux tourner sans avoir besoin de... Bah voyons, Cloviac. Au joueur, évidemment. Bah techniquement, s'il veut faire échouer, il y a encore tous les malus qu'ils ont, hein, ils en ont 10 ouais. Chacun, hein, je crois. Attends, juste pour vérifier, c'était quoi la dernière map où ils étaient? Alors là, il y a les tokens... Lui, il en avait pas encore. X, il en avait 10, 10. Ah, il en avait que 8. Attendez, je dois avoir une autre map. Voilà, ça, c'est la dernière map. Je crois que j'en ai 2. Ouais, t'en as 2. X, en a 10. Cerebellum en a 10. Et Dynamic en a 10. Pour savoir aussi vos bonus, Dynamic a 4 bonus. X, tu en as 1. Et Cerebellum, tu en as 1. Voilà. Bon, oula. Ah, mais oui, c'était X qui me l'avait balancé en plus. Ah oui, c'est vrai. C'était mon pote Ixis, mais oui, va t'en foutre. Vous démerdez. Voilà, donc si tu veux que je leur fasse échouer leur test, je peux. Sachant que c'est Ixis en plus qui est au canon. Alors, du coup. Ouais. Donc on est d'accord que je n'ai pas besoin d'une case pour tourner. Non, tu es en manœuvrabilité parfaite, donc tu peux tourner. Je peux faire ça sans problème. Ouais. Attends. Mais est-ce que ça compte pour une case, le fait que je tourne? Tac, tac, tac. Virer, modificateur, test de pilotage, on s'en fout. Je suis en train de relire, par exemple. Non, pour moi, ça compte pas comme une case. Attends. Hop. Il peut virer 2 fois dans... Ça précise pas que ça te bouffe une vitesse de déplacement, donc pour ce coup-ci, on va dire que non. Je relirai bien la règle pour éviter de perdre trop de temps à la fois d'après. Alors, ici, de toute façon, il va certainement falloir que je fasse un test de manœuvre pour faire ça. Ouais, c'est un test de pilotage 10 ou 15 en fonction de... Voilà, c'est de quoi la manœuvre que tu essayes de faire? Bah, me placer à son cul, en fait, hein. Oh bah tu peux le faire sans test, je crois. Non. C'est parce que tu as manœuvre réduit de 1 à distance entre chaque virage. Donc je ne sais pas trop. Bah ouais, mais toi ton virage il coûte 0, donc tu peux pas. Mais comme j'essaye de faire, comme c'est quasiment demi-tour. Ah oui. Parce que c'est pas vraiment un volte-face. Ouais, c'est pas un volte-face, c'est pas un désengagement, c'est pas une passe tactique. Maintenant, je vais bien prendre le DD du volte-face, hein, DD 15. Ouais, non, fais le DD du volte-face pour dire que t'as fait la truc, mais voilà. Ouais, ouais. Pour Vivius, pour le au seul cas. D'accord, Cloviac, bon, bah alors, vous êtes tous coup, à. Manœuvrabilité parfaite, j'ai un plus 2 sur mes tests. Oui. Oui, tu es en manœuvrabilité parfaite, donc plus 2. Alors attendez. Hein. Ouais, faut rajouter 2 du coup. Ouais. Alors, oui, bah t'es à 29 du coup. C'est bon. Attends, c'était quoi ce rire?
Arrête, c'est il est fatigué. Casse pas les couilles. Casse pas les couilles. Après 33 heures, tu casses pas les couilles. C'était quoi ce rire, Donc, la phase de manœuvre est finie. La phase de tir. Attends, moi je fais un ciblage, du coup. On va profiter. Hein. Du coup, je vais faire un ciblage sur leur propulseur, comme ça ils sont à l'arrêt. Et donc, je lance mon test d'informatique qui est là. Bon, je pense qu'il passe, hein. Je vérifie pas le DD. Hein. Et du coup, le canonnier fera un dégât critique 19 ou 20 sur les propulseurs. Si je touche. C'est ça. On a eu un critique sur 20, tu fais critique sur 19. On compte tous sur toi, ici. Enfin, pas trop, mais on va te faire croire. Ouais, c'est con qu'il ait quand même du potentiel moins 50 début des prédictions. Alors, c'est quoi la prédiction que t'as fait? Va-t-il s'endormir? Ouais, j'ai pas le droit de jouer, moi. C'est pas du jeu. Ah, il y en a quand même pas mal hein, qui disent oui. Hein. Enfin, j'en vois un qui vote. Oui, c'était moi. Par contre, il vote que 10. Hein. Il essaye de pas trop se mouiller. Attends, je peux voter plus? Oui, tu peux spammer le truc. Oui. Non, tu n'es pas obligé de spammer. Tu peux mettre une quantité personnalisée. Tu as une option pour ça. C'est un le nombre que tu veux. Alors, il faut que je recherche Ronin parmi toutes les personnes de la liste. Alors, maintenant, je vais chanter des berceuses. Je pense que t'as pas forcément besoin de ça. Juste un bon gros maman de blanc peut l'aider. Alors, déjà, sache que les berceuses ont tendance à m'énerver, pas à m'endormir. Voilà, je t'ai rajouté tes 100 points, Ronin. Mes 100 points, t'as déjà fait les 4 premiers, du coup? Ouais, j'avais déjà fait les 4 premiers. D'accord, parce que je t'avais dit plus tard, c'est pour ça que je m'assurais. Du coup, là, c'est le canonnage. Oui, donc... non, mais je m'en fous, moi, de ça. Du coup, ça... Ça y va, hein. Du coup, est-ce que je peux faire un tir à volonté? Par contre, je sais pas comment ça fonctionne, là, dans ce cas-là. Alors... faire feu avec les deux armes du vaisseau, moins 4. Ouais, j'ai vu. Alors, attends. Il faut que je rouvre le bouquin. Pas le bouquin. C'est pas le bon terme. Le vaisseau, bah, je pense que tu cliques. Attends, on va tester. Les deux armes. Je me sens un peu seul. Je teste un truc. On va voir si ça marche. Non. Déjà, il faut penser que tu as deux trucs à faire. Je fais juste le test comme ça pour tester. T'as le moins 4, donc quand tu cliques sur une arme, ça va te proposer feu à volonté ou pas. Tu diras oui, si tu veux faire feu à volonté, ça te prendra automatiquement ton moins 4 en compte. D'accord. Et donc je peux tirer avec les deux. C'est ça. Est-ce que je lui mets son malus? Oui, non. Non, on va attendre le prochain tour. Ouais. Par procuration grâce au dragon. Alors, Cloviac, sache que le dragon, maintenant, il s'amuse à faire des jeux aléatoires. C'est-à-dire que t'as vraiment un dragon qui pop et qui fait « Bonjour, vous voulez jouer à un jeu ?» Et le jeu est aléatoire. Il va dans l'espace. Genre, dans l'espace, il va faire « Salut, vous voulez jouer à un jeu ?» C'est un dragon, c'est un robot, hein, comme classe. C'est un Ori. C'est une race, c'est des robots de base. Donc ouais, arriver dans l'espace et faire « Coucou, vous voulez jouer à un jeu ?» C'est possible. En soi, là-dessus, il a pas besoin de respirer. Donc ouais. Du coup, vous faites mal. Alberic achète des crédits. Alberic achète des crédits. Que 2 3 4 La cinquième? Allez Alberic, me déçois pas. La 5. Ah. Alberic qui passe à 8500 points. Ouh putain, comment ça? Voilà, c'est bien ce que je me disais. 9... Non mais j'avais le visu, je mets les 500 points. Il passe de 8500 à 10 000 points. J'ai fait, ok, il y a quelqu'un qui lui a donné les points.
Donc voilà, il peut payer son, le level up d'un, d'une personne. Et il me dit s'il veut le faire aléatoirement ou s'il désigne la personne. Donc du coup, moi j'étais en train de regarder qu'est-ce qu'il a pris le vaisseau. Il a pris cher. Soyons honnêtes. Et il y en a un qui a pris cher aussi chez lui. Il a tout cassé. On a tout entendu. Donc le premier, 5. Est-ce que ça a touché CA, non. Les, aucun des deux n'a touché. Eh ben c'est super. Merci pour le bonus, Groob. Ça ne sert à rien. Ah ben, ça ne sert à rien. Là, d'un autre côté, t'as fait un feu à volonté, donc t'as moins 4 au jet. Même sans moins 4, t'es touché à peine. Ouais, ouais, je vais faire comme dans le Jeep de Citizen Kane, slow clap. Du coup, nouveau tour. Flerkin, comme tu es l'ingénieur, veux-tu faire quelque chose? Alors, attends 2 secondes, je réfléchis. Oh, je... Ah oui, mais non, mais oui, attendez, je peux attendez, pas, attendez, il y a eu un level up de payer. Comment veux-tu qu'on le fasse, Alberic? L'hologramme du dragon arrive. Vous allez voir le dragon qui se déphase et qui passe dans votre vaisseau. Alors, juste pour le lol, hein, il vous replace à peu près comme vous êtes, comme vous étiez. Hop. Alors, temporairement, nous revenons sur cette map. Donc, vous êtes tous à votre poste. Quand vous voyez notre ami le dragon, qui descend, qui passe à travers la carlingue, hein, vous, déphasage. Qui veut jouer? Moi. En pleine manœuvre, bien entendu. Donc vous voyez Dynamic Game qui lâche le manche de pilotage. Moi. Ok. Ouais, je ne sais pas. Allez, je vais m'inscrire. Au pire, je jouerai pas comme l'autre fois. Je joue d'accord. Je prends l'un de mes tentacules. Je joue. D'accord. J'ai dans le jeu la dernière fois, donc. J'ai une vengeance. Je d'accord. Nous avons donc 4 participants. Déterminons le jeu. Et le jeu sera... Qui a le plus de chance? Lancez le dé. Il vous donne un... Il vous tend à tous un dé 20. Donc vous lancez un dé 20. C'est... Tu lances un dé 20. Il est truqué ton dé. Il se tourne vers toi, Flerking, il fait... Nous avons un gagnant. Vous êtes le plus en feu. Et il s'en va. Vous le revoyez passer à travers le sol en, en se déphasant. Et il s'en va. Flerking, tu sens en toi un peu de puissance monter en toi. Conclusion, tu as level up. Ouais. Putain, c'était tellement proche du 6, Alberic. J'ai vu le 6 arriver, le jeu 6 est tellement plus marrant. Battez-vous jusqu'à la mort. Non, on n'est pas comme ça avec Alberic, voyons. Oui, bah oui, bien sûr. Donc, Flerking, pendant le live ou à la fin du live, et pour la prochaine séance, tu pourras passer level 3. Ok, moi je verrai ça plus tard. Alors, du coup, ingénieur, bricolage. J'imagine que si je fais un transfert, je perds l'ancien transfert. Ah oui. Ah oui, tu récupères de l'énergie de là où peu. Le peu d'énergie que tu as pu récupérer, tu l'as déjà envoyé dans les boucliers, c'est ça que tu avais fait. Donc, Tu peux par exemple le donner pour l'armement. Enfin, faut même pas, ça donne pas un bonus, ça empêche juste de faire un minimum de dégâts. C'est ça, c'est-à-dire que tous les 1 sur le dé passent automatiquement à 2. Si tu veux, tu as des compétences en informatique, tu passes informatique et je m'occupe du capitaine ce tour-ci. Attends, j'ai pas entendu quoi. Si tu passes informatique et je m'occupe du capitaine H ce tour-ci. Hein. Ingénierie, tu peux le laisser sur le côté là pour l'instant. En fait, ingénierie est très utile au moment où il y a des dégâts dans le vaisseau. Ouais, c'est-à-dire au moins que vous avez pris un premier système qui est un peu dans la merde, dans la panade. Il faut que je réfléchisse pour que ça fasse un des 10 aléatoires. Ça peut ? Ouais. Tu peux augmenter comme tu veux. Alors, on peut faire le dé que tu veux. Ouais. Donc, Je veux bien passer, si tu veux bien changer du coup avec scientifique. Vas-y, je t'envoie toutes les données, je prends le je m'occupe du capitaine. Ok. Bah du coup oui. Bon bah du coup on échange de place. Oh, bah lui il a plus besoin d'échanger de place, hein. Il se met au milieu du cockpit. Si vous regardez sur le live, vous voyez que tu as pris sa place et lui il s'est mis au milieu. Donc du coup je passe. Ah bah non,
Si, officier, c'est... Oui, officier c'est... scientifique. Et Cerebellum est capitaine. C'est-à-dire que Cerebellum, à tout moment, peut utiliser les capacités du capitaine. Peu importe la phase. Entre autres, le capitaine peut donner un bonus à ses alliés, il peut engueuler ses adversaires pour qu'ils aient des malus. Ah, je peux pas mieux résumer, hein. C'est vraiment, il prend les coms et il leur dit « Eh, bande de petites infioles Voilà. Et il essaye de les intimider. Histoire de bien tous les agros. C'est ça. C'est-à-dire que s'il fait un échec critique, il va réussir à envoyer son message à quelqu'un. Le problème, c'est que ça sera pas le destinataire qu'il voulait. Non, ça sera un autre qui est là. Ah, je te préviens. Donc, du coup, si tu essayes d'intimider et que tu te loupes avec un échec critique, c'est un autre que t'as le pag. Oh, deux petites fiottes! T'as dit quoi? Je sais déjà ce que je vais faire, donc... Oui, ouais, je pense savoir aussi. Du coup, les vaisseaux gobelins bon, font un peu n'importe quoi, comme d'habitude. Je m'en fous, je les déplace aléatoirement. Ils virevoltent. Fuite. Ils continuent. Comme, pour le moment, ils n'ont pas forcément envie de vous agresser. Hein. Ils ont vu des quelques tirs passer. Mais bon... C'est pas sur eux. Voilà, c'est pas un échec critique pour dire que ça peut partir sur eux. Du coup, hop, hop. Lui, maintenant. À chaque tour, tu dois faire un test de pilotage pour savoir qui se déplace, hein, par contre. Ah, c'est à chaque tour? Ouais, mais les gobelins, je m'en fous, honnêtement. Ouais, les gobelins, oui, mais... Vous voulez vraiment qu'on refasse un test pour eux? Et pour vous? Ils ne pourront pas vous battre. Mais, je veux dire, pour les deux vaisseaux-là. C'est à chaque tour? Je me souviens plus. Pilotage à chaque tour, ouais. Eh ben... Sinon, il y a toujours un vaisseau qui est désavantagé, non, c'est à chaque tour. Eh ben, retest de pilotage pour les deux. Sachant que... Ah, si j'ai les valeurs du pilote. Il est où le pilote? Il est où PNJ, il est là. Et... Ah, quand même! Ah, quand même, il y a moyen qu'il... Je l'ai mis en cachet. Bon, le live peut voir, du coup. Ok, du coup, ouais, ça sert à rien en fait le turn order, du coup, malheureusement. Du coup, dynamique. C'est celui qui a fait le moins bon test qui n'était pas son premier. Oui, il a fait 22. Okay. J'ai fait 22, c'est en caché. Hein. Je peux vous mettre en visible pour le moment. Bonjour. Ben, en vrai, j'ai pas de raison de bouger. Je crois que t'es obligé de te bouger. Hein. Ah non? Pourquoi? Non, il peut décider de pas bouger. Oui. Il nous invente des trucs. Qu'est-ce qui obligerait un vaisseau à bouger? Bah, techniquement, que tu t'arrêtes pas comme ça. Tu veux que je fasse un test de pilotage pour activer les rétrofusées? Tu veux qu'il fasse un test d'inertie aussi sur le vaisseau? Bah, en soi, techniquement, existe, oui, parce que t'es dans l'espace, il n'y a rien qui t'empêche de ralentir. Si tu n'actives pas les rétrofusées. Du coup, est-ce que tu veux que je fasse un test de pilotage pour activer et ne pas bouger ce tour-ci? Ouais, on va faire ça comme ça ce cours-ci, et puis je suis en train de relire en même temps. Ouais. Non, mais je m'en fous, moi, un test de pilotage, c'est un test de pilotage. Ah, il y a un plus 2 qui se rajoute en plus. Hein. Ouais. Ouais, n'oubliez pas aussi que vous avez l'ordinateur hein, pour vous aider. Bah pour ça, il faut qu'on l'utilise. Oui, non mais ça. Oui, mais je le signale parce qu'il y en a un qui aurait pu s'en servir pour tirer. Oups. Bah. Non, ça aurait rien changé. Oui, ça aurait rien changé, mais il aurait pu. Ouais, mais l'ordinateur, ça donne quoi comme bonus exactement parce que... Plus 1, parce que là, c'est un ordinateur de plus 1, ça donne plus 1 à 3 jets. Et il n'y a pas de... Enfin, tu l'utilises genre comme ça tout le temps comme tous les tours, tu as un plus 1, tu as 3 plus 1 à dépenser. Il n'y a pas malus, il n'y a pas de malus, il n'y a que dalle. Ben non, c'est un bonus. En gros, c'est que tu utilises l'ordinateur du vaisseau pour t'aider. le vrai malus, c'est que ça coûte de l'argent. Voilà. Mm-hmm. Pour l'installer. Maintenant, voilà. Comme c'est un vaisseau dans lequel il est déjà installé, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Donc, tu m'as dit utilisation 3 fois par tour, c'est ça hein? Ouais, pour 3 jets différents. Ouais. Okay, ça se stack pas sur le même jet, par contre. Ok. Donc voilà, la test de pilotage est fait. Donc, voilà. Toi, tu restes... Je pense que je peux rester sur place. Hein. Oui. Oh, de toute façon, je considère que c'est un facile. Hein. Il n'y a pas de...
J'ai envie de te dire, même le difficile, tu l'aurais passé, hein, ou le très difficile. Donc, j'ai une petite question en vitesse. C'est quand déjà la phase de l'ingénieur, c'est maintenant, pourquoi? En même temps que le pilote, okay. Tu t'arranges avec le pilote, tu fais avant ou après. Okay. Généralement, tu fais après, parce que ça dépend de son placement. Ouais. En fait, ça dépend de ce que tu veux faire et ce qu'il y a à faire. Ça peut être fait avant comme ça peut être fait après. C'est... Attends, ouais, parce que si c'est réparer les moteurs, c'est important que ça fait avant. Voilà, c'est ça. Hein. L'ingénieur, c'est pas petit, ça. De toute façon, ça va retirer. En gros, si tu fais amplification des contre-mesures, ça peut être fait avant. Ciblage d'un système, là, c'est fait après parce qu'il faut que tu vois comment tu sois placé. Rééquilibrage, ça se fait à n'importe quel moment, avant ou après, tu t'en fous. Le scan, ça peut être fait avant comme après, ça dépend comment vous êtes placé. Et verrouillage, c'est pareil. Verrouillage et amplification contre-mesure, regarde le niveau avant de parler, s'il te plaît. Ouais, non, mais ça, j'ai pas dit les niveaux. Hein. Verrouillage, c'est mieux de le faire après que tu te sois déplacé, parce que comme ça, tu sais comment vous êtes déplacé. Techniquement, après, on peut considérer aussi que comme c'est pas en tour, le tir a eu lieu pendant le déplacement. Hein. Le passage tactique, entre autres, la passe tactique, c'est ce qui permet de faire un petit passage au-dessus de l'ennemi, lui mettre une rafale et puis de s'en aller. Et considérer que n'importe quelle arme peut tirer sur l'ennemi. Alors que là, sinon, tu es obligé de regarder comment tu es placé. Mais de toute façon, pour le moment, amplification et verrouillage, je ne peux pas. T'as pas le niveau. T'as pas le niveau. Hein. J'ai cité tout ce qu'il y avait, hein, mais t'as pas le niveau. Hein. Alors, je vais faire un petit ciblage système. Attends, on est... J'ai un petit doute, le pilote s'est déjà déplacé ou pas? Oui, il a choisi de ne pas se déplacer. Oui, mais non. Oui, mais non. Voilà, il a choisi de ne pas se déplacer. Bah, je fais un petit ciblage système sur celui qui est juste en face de nous. Ok, bah, tu me fais ton test d'ingénierie, donc c'est un test. Bon, tu dois dire sur quoi tu cibles. Ouais, aussi. Mais bon. Alors, ingénierie. Le système de survie, les détecteurs, les propulseurs ou le réacteur. Et l'armement. Ça les dit quoi, ça? C'est le DD 5 plus un demi leur étalon plus leur bonus de contre-mesure. Ouh, leur bonus de contre-mesure, ça peut vous casser les couilles. Même nous, on n'en a pas, quoi. C'est une blague. Ouais, d'un autre côté, c'est un petit vaisseau, quoi. Je sais même pas s'il en a, leur vaisseau. Je suis en train de te dire, ça peut vous casser les couilles, mais c'est pas dit qu'il en ait. Ah, il a quand même une défense MK3, quoi. Quand même. Ah. Ouais, nous aussi, je sais pas à quoi ça sert. C'est pour le IV. L'intégrité du vaisseau, j'imagine. Non, c'est en fait, c'est le blindage, ça sert face aux armes de tir direct. Et les défenses MK quelque chose, ça sert face aux armes automatiques, genre quand on t'envoie une torpille ou un truc comme ça dans la gueule. Du coup, j'ai rajouté le bonus vaisseau parfait dans ma fiche pour compter directement le plus de... Ok. Du coup, à 17, ça passe. Je vais pas te mentir, ça passe. Hein. Ouais. Du coup, je vais encourager mon canonnier, enfin... Où est-ce que tu as appris à tirer? Dans les joues de ta mère? Ici, on est sur un champ de bataille. T'as intérêt à mieux viser. Non, mais attends, le système de visée est tout moisi. C'est pas moi, c'est Népal, ce vaisseau. Bon, par contre, j'ai pas assez d'intimidation. Tu m'écoutes à peine. Disons que, ouais, t'en as rien à foutre, quoi. C'est pas sa petite voix virile qui te fait peur. Hein. Non, mais du coup, ça s'est parfaitement joué déjà, en fait. Ah oui, non, là, c'est sûr que le niveau intimidation, il était déjà là. Il l'a appelé, son mauvais jet. Alors... c'est pour ça. J'ai pas d'ordre à recevoir d'un cerveau sur patte. Ah ouais, moi, je vais juste faire le jet parce que notre ami va faire quelque chose quand même. Hein. Alors, elle va essayer une volte-face. Elle va se foirer. C'est pour ça que j'ai dit essayer. De toute façon, c'est DD15 plus une fois et demi l'échelon du niveau. Ouais, donc c'est DD12, quoi. DD15 plus une fois et demi, DD12, quoi. Oui, non, je lis très mal. C'est plus... vous êtes échelon 1. Une fois et demi, ça fait 1,5. Donc, ouais. Arrondi à 2, donc ça fait DD17 minimum. C'est ça, mais... attends, il faut que je revienne sur sa fiche. C'est juste un D20, hein. C'est pas un test de... Si, c'est un test de pilotage, ok. En fait, le canon à la proue, il est pourri. Il est naze. Bon, il fait volte-face, hein. Oula. Il s'avance et hop.
Il est pourri. Oui et non. Bah, en un fait... D8 contre un 4D4D4. Oui, mais il faut prendre en compte que c'est des dégâts de, d'armes placées sur des vaisseaux. C'est-à-dire que par rapport au, à ton flingue, par exemple, si tu compares le pur dégât, oui, ça a l'air pourri. Mais en vrai, le canon, c'est un truc que t'es même pas capable de porter, en fait, qui fait un D4. Donc, pour toi, ça te déchiquette ta gueule. Mais je parlais en termes de dégâts. Ouais, mais bon, après... Après, c'est ça, c'est le problème, c'est qu'il faut prendre aussi en compte que c'est des armes faites pour certains types de vaisseaux. Hein. Tu vas pas mettre un arme de vaisseau capital sur ton bateau, enfin sur ton vaisseau, hein, sachant que c'est une petite chiotte que t'as. Encore plus lourd que le vaisseau. À ce stade. C'est ça. Du coup, bah, phase de canonnage. C'est ça, tu peux tirer. Cette fois-ci, la fenêtre s'affiche pas. J'espère juste qu'il a réussi, comme ça je crois que mon jet a eu une importance. J'ai vu des mollusques qui faisaient plus peur. Attaque, dégâts. Oh, ça a l'air d'être joli comme jet. Bah, c'est joli, sachant qu'il a. Il a utilisé le plus 1. Il a fait 18 plus 1. Et l'autre. Parfait. Les deux ont touché. Et là, tu vois, ça aurait servi de passer les 1 en 2. Donc, le premier touche, le deuxième touche aussi. Avec un peu de chance, t'as même fait des dégâts critiques, vu qu'il y a un 10. Avec un peu de chance, oui. Putain, j'ai été trop con, j'ai fermé le PDF, bien entendu. Bien entendu. Il explose, donc. Les dégâts critiques, c'est le dégât excès qu'ils prennent après les points de bouclier si ça dépasse le seuil de. Déjà, pour prendre des dégâts ouais, critiques, il faut que tu touches la coque. Si tu touches pas la coque, le problème est réglé. Mais c'est ça. Mais il faut voir leurs points de bouclier et leur seuil critique. C'est ça. Et ça, pas de bouclier. Bah, ça, c'est plus 17, en tout, ils ont pris 17, donc il y a moyen que. En vrai, vous atteignez deux fois le seuil critique. Alors, les deux dépassent le seuil critique. Mais... Nice! Par vrai, contre, il faut que ça passe les boucliers. Ah oui, mais voilà, je pensais que... Donc le premier, par exemple, ne passera pas le seuil critique, puisque du coup... Et le deuxième. Bah, le deuxième, oui, puisqu'il n'y a plus de bouclier pour absorber une partie du tir. Et tu peux lancer un dessin. C'est vrai ? Ouais. Pour déterminer quel système tu as touché. C'est un de survie que tu touches. Ah, attends, est-ce que ça prend... Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? 33, c'est l'armement que tu as touché. 33, armement, c'est ça. Déterminer aléatoirement un truc, ça a pris en compte automatiquement. On est d'accord qu'en théorie, dans la CA, tu rajoutes le rang de pilotage du pilote. Hein. Ah oui, mais oui. Oui, non, cherche pas, je comprends pourquoi. Il me semble. Ouais, non, mais j'ai compris d'où vient mon doute. Et oui, non, c'est normal qu'elle ait autant. Du coup, on sert. Je pensais que c'était pas pris en compte automatiquement, mais si. Alors attends, il faut quand même que je décompte à un endroit les points de vie du bestiau. Hein. C'est vrai que nous, dans notre CA, nous, il n'y a pas le rang de notre pilote. Oui, parce que bah, il faut prendre en compte le rang du pilotage de Dynamic Game. Et rang 5, c'est ça ? Non, il ne peut pas être rang 5. Si, il est niveau 5, Dynamic Game. 4, bah non, il est niveau 4, Dynamic. Mais il n'est pas 5. Ah non, il est niveau 4. Niveau 4, ah, là, je suis rang 4. Voilà. Donc c'est plus 4. Allez, tirez. Et est-ce qu'il a mis bien les plus 4? Oui, il a bien mis les plus 4. Quand même. Je viens de les mettre à l'instant. Voilà, vous avez 18. Du coup, moi, il faut que je retire les points de coque au vaisseau. Et non, je ne l'ai pas fermé ce coup-ci, j'ai pas fait le con. Ok, donc il s'est pris ça. Mais il est même explosé, hein, on va dire. Non. Alors techniquement, tu avais fait péter un système d'armes aléatoire. Donc, déterminer aléatoirement un arc doté d'armes. Bon, il n'y en a qu'un seul. Toutes les actions appliquant, utilisant les armes de cet arc, donc à partir du tour prochain, vont avoir un malus. Ouais, ça passe en défectueux. C'est ça. Sachant que ça s'applique au tour prochain, parce que là, techniquement, c'est le même tour. Hein. Ouais, c'est ça. Donc... Attends, c'est même pas détruit, c'est juste défectueux. Alors, t'as d'abord défectueux, puis défaillant, et puis détruit. Et l'ingénieur, d'ailleurs, peut les réparer d'un cran, voire de deux, mais le DD est plus élevé. Il n'y a pas d'ingénieur.
Chez nous, on en a plus, on n'en a pas besoin pour l'instant. Ouais, mais c'est chez ça. Eux, ils ont commencé à arriver sur un monoplace, donc ils risquent pas de réparer quoi que ce soit. Alors, sachant que pour tirer, vous pouvez tirer soit avec votre rang de pilotage, soit avec votre BMA. Je suis en train de regarder, est-ce que sur les feuilles comme ça, on a le BBA qui est marqué non. Non, non, non. Est-ce que je peux le trouver? Oui, sûrement, mais... J'étais à 8. Ouais, je l'ai pas marqué. Et il n'est pas marqué non plus là. Je vais le savoir autrement. Allez, quoi? Allez, agent. Il marque pas son niveau, tiens. Il marque pas son niveau. Ah, ça me fait chier. Bon, je pense savoir, hein, de toute façon, le rang de pilotage, je le connais. Donc, ça, je vais utiliser le rang de pilotage. Donc, du coup, bah, elle va faire feu aussi, hein. Elle va vous rendre la politesse. Si elle arrive à faire feu. Oui. Elle va arriver à faire feu. La question, c'est pas est-ce qu'elle va arriver à faire feu, c'est est-ce qu'elle va réussir à vous toucher. Je vais juste regarder le canon IEM, ce que ça fait comme effet. Ah, parce que le défectueux, ça ne prend pas en compte le fait que... C'est au tour d'après, là, c'est encore en simultané. Après, le défectueux, ça fait juste un moins 2, le défaillant un moins 4, c'est détruit. Ouais, mais c'est vrai que oui, du coup, vu que tout le monde tire en même temps... C'est ça, c'est techniquement, elle tire même avant vous, puisqu'elle a fait un meilleur jet. Et non, elle va tirer qu'avec le gyro, du coup. Est-ce qu'elle a un ordinateur pour... lui booster ses trucs, je pense pas. Non, elle n'a pas de bonus par rapport à vous, donc elle aura juste sa valeur au dé additionné. Et mieux, c'est le réacteur à viser, parce que si tu touches le réacteur, tous les circuits sont affaiblis. Donc le D20, elle fait un D20 plus lève à certaines valeurs. Ou le cockpit, non? Tu peux pas aussi faire des trucs cockpit pour le shot. C'est con, il n'y a pas de gobelin dans son arc frontal, mais... voilà. J'imaginais un critique, mais pas dans ce sens-là. Non, mais ça fait rien, là, donc bah, voilà, problème est réglé. Elle touche pas. Hein. Ah, putain. Bah, premier tir, échec. Ça devrait faire exploser son arme, justement, enfin son armement. Hein. Un alors, comme ça. Moi, c'est X6. Ce que je fais. Ne me donne jamais de conseils comme ça, parce que sinon ça va se retourner contre vous aussi. Ouais, mais il faut que ça marche dans les deux sens, tu vois, donc c'est des PNJ... Ah mais là, j'étais prêt à la faire tirer sur un gobelin, il n'y en a pas dans son arc frontal. Ouais. Après nous, on a deux armes, tu vois, donc même si on en pète une... elle a deux armes aussi, ouais. Techniquement. Tu vas arriver à péter la tourelle, toi, alors tu te calmes avec tes idées à la con. Moi, je vais me taire parce que la dernière fois, j'ai donné une mauvaise idée, donc bon. T'as donné quoi comme idée, toi? C'était le soin au boss. Non, tu te tais. Je me rappelle pas. Il l'a mis dans le temps. Je l'ai mis déjà. Donc, mais on s'en fout. Il n'y a pas de rappel. Rien. La réponse, c'est rien. Qu'est-ce que t'avais dit, toi, déjà? Rien, je ne sais plus. C'est tout. Je sais plus, j'ai pas dormi. Ça évite les problèmes. Surtout qu'il y a Cloviac qui traîne, donc faire attention. Avec Cloviac, il attend qu'une seule chose, c'est que Arto, il se décide enfin à utiliser nos foutus malus. Je sais, oui. T'inquiète pas. Du coup, les gobelins, bon, alors, ils vont dégager, hein, parce que j'en ai juste ras le cul d'avoir tout ça sur la map. Il s'envole au loin. Ça va faire du tri. Hein. Voilà, vous êtes plus que tous les deux. Oh non, notre XP potentiel. Ouais, c'est con. Du coup, bah les ingénieurs. Ah bah il n'y en a plus. du coup, Dynamique, tu fais un test de pilotage. Le pilote d'en face fait aussi son test. J'ai bien activé le bonus, oui, donc il n'y a pas à rajouter le plus 2 à mon jet. Pour le moment, Cloviac, pour le moment. Ah, Dynamique.
Oui. Ah. C'est déjà mon tour. Ouais, elle a fait 26, 26 t'as fait 23. Putain, elle abuse. Hein. Bonsoir, Melorf. Est-ce qu'il manque des maïs? Oh, non. Mais il y a des nouveaux objets d'achetables. Entre autres, une boule de feu. Enfin, une boule de feu, non. Ouch, bobo, c'est pas précisé que c'est une boule de feu. Dégage, il y a 6 moyens de se faire mal, et comme on est dans un resto, il y a de fortes chances que ce soit une décharge électrique. Alors, techniquement, il peut même l'appliquer au vaisseau. Oui. Bah, une décharge électrique, ça reste le meilleur truc hein, dans le vaisseau. Ça peut être au joueur ouais, comme ça peut être ça dans le vaisseau. Ça fait mal à tout le monde. Hein. Une canalisation. Bon, du coup, je vais tenter un volte-face. Mais je voudrais le combiner. Est-ce que c'est faisable? Non, je crois pas. Tu peux qu'une seule manœuvre. Après, si tu veux essayer, tu peux faire une passe tactique si tu veux juste passer au-dessus de lui pour que toutes les armes puissent tirer. Non, mais je veux passer et être dans son cul, du coup. Donc, être face à son cul. Sortez son contexte quand même, super chou. Bah, c'est une passe tactique volte-face, quoi. Ben, demi-vitesse. Il est à 3 cases de toi. Ouais, volte-face, c'est à demi-vitesse, c'est ça le problème. Sinon, tu peux être sur un même cas, c'est considéré que tu te mets en dessous. Non, dans les règles, c'est dit que vous pouvez pas être sur la même case, par contre. J'ai relu ça, il faut bien que tu t'arrêtes à une case de décalage. Tu ne t'arrêtes pas au-dessus ou en dessous, ça ne fait aucun sens, mais tant pis. Mais oui, ça fait aucun sens, je suis d'accord avec vous. Hein, en soi, vous êtes dans l'espace, donc vous pouvez vous être au-dessus ou en dessous. Mais dans les règles, ils veulent, comme le combat est symbolisé en 2D, que pas au-dessus, pas en dessous. Vous n'avez pas le droit d'être sur la même case, du coup. Je pense que c'est juste lié à la règle 2D. Hein. Donc je ne sais pas faire un volte face. Après, il faut que tu penses que tu joues en premier, c'est-à-dire que tu ne seras pas dans son cul, dans tous les cas. Oui, mais non, mais ça, je m'en fous. C'est en termes tactiques, au départ, je me déplace pour ça et elle réagit, en fait. Ouais. Même si ça va très vite et que je me fais avoir avec mon mouvement, tu vois l'idée. Oui, non, je vois l'idée. Je vois que tu veux essayer de finir de telle façon à être toujours méchant face à elle. En espérant que elle soit toujours prise dans une situation où elle sera dans la merde. C'est même pas vrai d'abord. Un peu quand même. Écoute. Moi je suis en train de lire ce que ça fait les échecs dans les cas où t'essayes de faire ça. Quoi, je peux tenter ça quand même? Ouais, je te l'accorde juste pour une case. Hein, là. Par contre, je vais m'amuser à utiliser les malus du coup. Allez, j'ai dit que j'utilisais les malus, mais j'ai pas dit combien, c'est con. Et maintenant, je viens de regarder le résultat. De toute façon, c'est l'échelon de votre vaisseau, donc c'était 17 qu'il fallait que tu fasses. J'étais en train de regarder. Ouais, bon, ouais, ça passe. Comme j'ai pas précisé combien de malus. Hop. Et du coup, en face, ça va faire à peu près la même. Ça va faire un volte-face. Il se passait quoi si jamais il échouait? S'il échouait, il avançait de moitié de vitesse. Devant l'ennemi. Bonjour. Sauf que moitié de vitesse devant l'ennemi, j'arrivais sur la case de l'ennemi. Ouais, mais... Là, je t'ai accordé pour que tu puisses passer derrière, donc je t'aurais fait, tu t'arrêtes devant. Bonjour. Alors, nez contre nez. Alors, voyez-vous, c'est comme ça que les vaisseaux se reproduisent. Je ne crois pas. Bonjour. Officier scientifique. Oui, alors, moi, je vais refaire la même chose qu'au tour dernier, à moins que c'est toujours... le ciblage système sur elle. Quand papa vaisseau et maman vaisseau s'aiment très fort. Ok, j'utilise des malus. Je vais en utiliser au hasard deux. Attends.
Alors, c'était ingénierie, t'étais quel est où ingénierie, il est là. Ah ouais, vas-y, pendant ce temps-là, je mets à jour ton token de malus. C'est con, c'est échoué. Ah bon? Merde. Alors, est-ce que tu as entendu quand je dis j'utilise deux malus? Ah oui, c'est vrai. T'as tu moins 10 à ton résultat. Ah. je sais pas, mais plus que 13. bah, tu regardes ta valeur de feuille. Hein. Tiens, je vais vous mettre en aide de jeu, peut-être. Ajouter aide de jeu. Ça va me faire chier de l'ouvrir, en fait, à chaque fois. Ouais, je vais retourner. Voilà, mais donc, tu as essayé de faire un ciblage des systèmes, c'était... Ah, quoique. Non, c'est réussi, même avec le 13. Je suis con. Je pensais que c'était plus élevé. Mais t'es des 5, quoi. Yeah. Ouais, c'est ça, il faut que je passe 5 plus 1.5. Donc, je fais des D7, quoi. Ouais, non, mais c'est pathétique, cherche pas. 5, c'est... Comment tu veux jouer un D5? Bah, ça dépend s'ils ont des bonus en face. Hein. Il suffit qu'ils ont un haut étalon plus leur bonus. C'est... Ouais, c'est ça. C'est... Sauf que là, c'est le premier combat spatial que vous avez. Donc, ça reste un truc de niveau 1. Donc, Non, c'est même pas du niveau 1 le vaisseau en face. Non, mais le système ciblage. Oui, ouais. J'ai très peur de ce que Bello Freeven vient de faire. Il a fait quoi? J'ai pas regardé du coup. Il vient de dépenser. Le dos droit, ça va, c'est moi qui dois être le dos droit. Ah. Ouf. Ah, oh, tout de suite. Ah, what? Ah, si, oui, tu viens de dépenser. Bah, c'est juste que je dois être droit. C'est tout. Tu vois, pour 1000 points, c'était plus intéressant de les transformer en 500 crédits, quoi. Enfin, en 100 crédits, histoire de pouvoir se payer un petit bonus pour faire chier le monde. Voilà. Attends, j'édite aussi pour que tous les joueurs puissent l'avoir. Voilà, vous l'avez maintenant en résumé sur Roll20. Ok. Donc t'as réussi ton action. Canonnage. Ah mais c'est bien, je vois que t'arrives enfin à tirer. Allez, continue comme ça et on pourra aller trinquer correctement. Je mets un... Non, pas pour toi, mais pour X6, je vais utiliser des malus. Ouais, ferme-la, toi. Ouais, ferme-la. Bah du coup, je vais utiliser, je sais pas, au hasard, deux malus partir, si tu fais... M'en fous, de toute façon, j'avais déjà prévu de les utiliser, hein, je t'avoue. Ouais. Alors, Fertin, il faut que je te trouve. Je t'ai vu tout à l'heure. Il faut vraiment que j'apprenne la manœuvre pour. Ah, non, mais avec ça, il n'a pas réussi à t'intimider hein, ou à réussir son test, je pense. Regardez. C'est diplomatique, tiens, je parlais tranquillement. Non, de toute façon, ça n'a pas fonctionné, c'était des 10 par contre. voilà, je t'ai rajouté tes points, Fertin. Encore une fois, please. Alors, Bellor, je suis désolé. Hein. Je vais demande à mon modérateur de te le refiler s'il veut bien, mais moi, je ne vais pas te les refiler. De quoi? Il veut récupérer non, mais... les 1000 parce qu'il a payé l'auto-droit et qu'il aurait préféré acheter des crédits. Non, mais il faut qu'il apprenne. Je te rappelle que je t'ai mis un malus. Hein. Bon, c'est pas de bol. Hein. T'as une réussite critique, ça passe dans tous les cas. Ouais. Et l'autre Non, j'ai juste fait un tir normal. D'accord, bah t'as quand même moins de malus. Même si ils servent à rien du coup. Je suis en veine sur cette session. Je sens que je vais faire des ravages. En plus, à chaque fois que je rate mes tests d'encouragement, il réussit. Je suis trop fier. C'est genre, t'essayes de l'encourager et il réussit parce que tu t'y prends comme un manche. Ok, donc il se prend 10. Et un effet critique d'office parce que c'est une attaque 20. Ouais, c'est effet critique ben, qui lance le descend. Le descend, c'est ça. Je te vois rien, mais j'entends rien. Ah! Bah, pourtant, si le micro il est ouvert. As-tu pensé à mettre le micro? Je suis en JDR et mute. Ah, donc, d'accord.
Ah, tu veux que je lui donne par rapport à tes points, Lucas? Eh ben, il faut que je vois comment je peux faire. Comment je peux faire pour refiler des points à quelqu'un? Bah, il faut que lui les dépense, du coup. Et à ce moment-là, je peux rendre l'argent à Bullor. Sinon, les points de chaîne, on ne sait pas modifier comme ça. Je lui explique par message. Ah, t'as eu le pop-up. Alors méfie-toi quand t'as des pop-up, ça veut juste dire que t'as débloqué les points pour pouvoir acheter l'option. Méfie-toi. Ça le fait sur tous les lives Twitch. On va dire à Lucas quand même. Je suis en train de lui faire. D'accord. Merci Ronin. Du coup, elle va tirer, hein, quand même. Du coup, ça nous sert à rien. Donc, je vais le dégager. Elle va tirer, sachant qu'elle a un malus parce que les armes sont dysfonctionnantes. Donc, moins 2. Allez, ça c'est fait. Il y a eu un joli tir dans le vide. Ah ouais, mais ce coup-ci, il est passé plus proche de vous que la dernière fois. La dernière fois, ouais. Il est vraiment passé à des kilomètres à côté de vous. Hein. Ouais, mais elle nous tirait pas dessus en fait la première fois, c'est pour ça. La première fois, tu sais, elle a ripé sur le bouton en mode oui. Tac. Que j'ai appris à la dure. Oui. Ouais, t'inquiète pas, ici on apprend à la dure. Par contre, il n'y a pas eu le descend. T'as oublié de lancer le descend Oui. Ah oui. Non, mais moi c'est bon, hein, j'ai fait le tir, c'est bon, c'est passé. Non, mais attends. Il a quand même moins 2 sur ce tir vu qu'il est défectueux ce tir. Le dos droit et à boire. Merci Lucas, cool. 38. Tu as touché les propulseurs, mais... GG. Je sais pas, mais du coup. Ça s'applique à toutes les actions de pilotage. C'est bien, t'as donné moins 2 à leur pilotage. Ouais. Par contre, la prochaine fois, tu fais ça plus rapidement. Hein. Ouais, non, mais pardon, je. Il te l'avait déjà rappelé. Ingénierie, il y en a pas, bon, pilotage. Non, il me l'a pas rappelé la première fois, il me l'a appris, c'est pas pareil. Alors, non, la première fois, il te l'a fait faire. Là, tu refais un truc critique, il te dit, il faut que tu lances un descend. C'est rien passé. Toi, on a eu le temps de faire autre chose avec Ronin. Et en parlant de ça, Ronin, il faut que tu fasses le test de pilotage. Ouais. J'étais occupé de chercher ouais, non, je sais, c'est... la liste et que je vais épurer juste après parce qu'il y a 120 demandes qui n'ont pas été traitées. Bah, le dos droit, je suis le dos droit là. La tête avancée par contre, là je l'accorde, mais le dos droit. J'ai fait le test de pilotage pour l'autre, même avec le malus de moins 2, elle vous bat. Alors c'est marrant parce que elle fait des jets de merde pour tirer, mais par contre pour piloter... La dynamique, il est limite en mode admiration, en mode hey, « je suis bon pilote, mais elle est meilleure !» Les mi-game, il arrive pas, là. Ouais. Ouais, ah, c'est bien d'être bon pilote, mais si elle esquive pas... C'est parce qu'il n'y a plus de café, c'est pour ça. Alors, en soi, je pourrais lui faire les manœuvres d'esquive, mais là, je veux la faire offensive. Ok, tu veux qu'on la bute, quoi. Bah, de toute façon, là, j'ai envie de te dire... Le vaisseau, il est pas en bon état, hein. Vous voyez que... Là, ça fume, hein, c'est... Je sais pas pourquoi elle nous a attaqué, mais bon. Attends, un tableau de bord propre. Il y a un tac, là. Oh, faut l'excuser, il a pas dormi pendant 33 heures. Ça, puis moi, minutes. Je le remercie, hein, il s'en occupe... D'ailleurs, j'attends que tu t'endors, Ronin. T'es pas prêt de gagner à ce rythme-là. Ouais. Là, honnêtement, on fout trop de bordel. Hein. Il faut vraiment que ça se calme. En mode, donnez-moi une bonne règle à rechercher, que je perde du temps. Alors, et là, j'entends. Bah, salut à toi, Lucas. Hello. Le tonneau, ça fait juste avancer à mi-vitesse, c'est ça? Alors, non, ça échange aussi toutes les armes de bâbord qui peuvent tirer comme si elles étaient à tribord et vice-versa. Et nous, on a proue et tourelle, c'est ça. C'est ça, donc ça sert à rien pour vous. Pour vous, ce qui est intéressant, c'est plutôt la passe tactique, potentiellement, le demi-tour, enfin le volte-face, ou les rétrocombustion pour reculer. Et encore. Hein. Voilà. Voilà ce qui est utile pour vous. Alors, je voudrais faire un salto en vrille arrière.
Avec le vaisseau. Seul peut en rire avec le vaisseau. Ok. Bah du coup, comme c'est pas une figure qui apporte quoi que ce soit, je vais juste te faire faire un test de pilotage. La question, c'est quelle difficulté. Alors, si, ça va apporter quelque chose, c'est que je préviens pas mes collègues. Oui, donc s'ils sont pas bien accrochés, ils vont tomber. Il y en a un qui veut montrer qu'il a la plus grosse bite. En fait, non, je suis même pas sûr que ça les fera réellement tomber. Il faut vraiment que ça soit fait ultra violemment, parce que sinon, t'as un générateur de gravité artificielle sur tes vaisseaux. Donc, il faut vraiment que ça tire à balle, oui, quoi. Oui, mais les jets, ils sont là quand même. Ouais, du coup, je vais quand même. Ouais, c'est pas si difficile à faire ce que tu veux faire. Enfin, toi, tu veux le faire en mode pour que ça secoue tout le monde, donc difficile le fait de faire faire. Non, mais te prends pas la tête. Ouais, non, mais oui, j'ai vu le vin. J'ai gueulé. Alors, non, je vais faire pire. D'abord, tous ceux qui sont pas à Dynamic Game, test de réflexe. Pour savoir si vous avez le réflexe de vous accrocher. Attends, non, ils ont pas des bottes magnétiques pour les cadavres posanteurs. J'ai de sauvegarde. J'ai vraiment besoin de m'accrocher en volant, moi. C'est chiant. Bah, oui, parce que tu dois pouvoir esquiver les gens qui vont t'arriver dans la gueule. Ouais. Merde, non, j'ai mal cliqué. On est synchro. Attends, j'ai de sauvegarde. Par contre, du coup, je leur mets la même difficulté pour toi, ouais. Difficile, ou je les mets en facile? En soi, ça veut. Ouais. Alors, moi, je dirais. Pour le fun, en difficile. Bah, c'est la même difficulté que toi, hein, à ce moment-là, difficile que je mets. Ah oui. Coup, il manque... voilà, ok. Après, vous allez tous me faire un jet de vigueur. Voilà. Sauf dynamique, bien entendu. Oui, parce que même si ça vous a projeté, ça vous a aussi secoué l'estomac, hein, à côté. J'ai un en vigueur, qu'est-ce que je fais avec ça? Bah, évite de gerber dessus. Ok. Alors, je vais garder la même difficulté que pour Rona, c'est-à-dire que si Ska, Cérébellum, vous êtes secoué, vous êtes plus à votre poste. Il y a la manœuvre qui s'est passée, en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Blam! T'as Siska qui a volé de son siège, et si je me souviens bien, Siska est juste à côté de Cérébellum, c'est nickel, ça justifie tout. Regardez, vous êtes là, maintenant toi t'es là, et toi t'es là. Limite, si je donc, peux vous incruster, voilà. Cérébellum, tu t'es mangé un 6K dans la gueule, il va falloir un tour pour t'en remettre. Voilà, vous n'avez si pas compris ce qui s'est passé. Si tu veux déplacer le token, Ronin, tu peux, hein, d'Hippocampe. Je fais 1m50, 35 kilos. Voilà. toi, Flerking, t'as vu le truc arriver, puisque tu regardes devant, hein, t'es... avec le ouais. Vu comment il fait le vaisseau. Donc t'as eu le temps de t'agripper à quelque chose. Par contre... Cérébellum, toi, ça t'a pas trop secoué au niveau des estomacs et tout, hein. Et même le coup du fait d'avoir pris Siska sur la gueule, ça va, t'encaisses plutôt bien. Par contre, Flirkin. Ah non. Ah non, toi, tu vomis. Hein, toi, tu vomis. Et Siska, c'est pareil aussi. Bah, je vomis sur Cérébellum, voilà. Ah non, mais t'as vomi limite pendant que t'étais projeté, hein. Ah ok. T'en as mis partout, toi. Et là, n'oubliez pas de faire le petit ralenti. Pour bien voir tous les morceaux. C'est dégueulasse. Oh mon dieu. Merci, Dynamique. Ne pas me faire jouer du jeu de rôle après 33 ans. Non, mais moi, ça me dérange pas. Hein, c'est... Qui l'a mis aux commandes? Ben, vous. Théoriquement, t'as directement couru sur. C'est toi qui nettoieras. Et personne m'en a empêché. Sachant que je vous rappelle qu'il y a aussi le petit drone qui est en train de vous filmer. C'est immortalisé. Voilà. Alors, lui, il va faire un petit test de pilotage. Non, si je vais là, ça va pas le faire. J'ai besoin de cette feuille. Pilotage. Sachant qu'elle a moins 2. Heureusement qu'elle voit pas ce qui se passe dans le vaisseau. Non, bah si, elle a vu le vaisseau faire un demi-tour, et du coup elle en profite, elle... Dans le vaisseau. Et c'est... Non, parce qu'elle regarde, si elle voit de l'extérieur, y a pas de soucis, mais alors, dans le vaisseau, non. 4, 5, 6... Hop là! Elle se barre!
Ben, remercie Lucas hein, qui t'a offert ses points, Mélor. Et maintenant, tu peux acheter 500 crédits. Enfin, 100 crédits en dépensant 1000 points, je crois. Tout ça pour que l'XP file se barre. Quoi. T'as qu'à l'exploser, là, maintenant, tu vas te tirer. Bah non, elle peut pas, cette tour-ci. Bah, je suis par terre, moi, avec toi. Hein. Et je vous rappelle, après, qu'il faut penser à regarder la portée des armes. Ouais, mais ça, par contre, je sais pas. Bah, c'est marqué sur le vaisseau, hein. Tu vas dans le vaisseau. Donc, t'es en train de me dire que ça, tu peux pas aller à ton poste rapidement. Si, je peux courir, mais... Je l'ai pas marqué la portée, en effet. Il n'y a pas la portée, ouais. Donc, oui, mais t'as le nom de l'arme, donc après, tu peux aller chercher. Touche-le, alors, si tu peux courir, dépêche-toi. Très importante. Oui. Du coup, je... Est-ce qu'il y a des douches dans ce vaisseau? Tu n'es pas allé vérifier ou pas avant? Clairement, je n'ai pas à répondre à cette question. Tu n'as pas vérifié ce qu'il y avait dans le vaisseau avant. Vous êtes précipité dans la cabine. Portée courte. Je titube jusqu'à mon fauteuil. Portée courte, 5 cases. Elle est trop loin, techniquement. À quoi, même avec la tourelle? Bah, c'est le canon est en portée courte. Et ah non, l'autre il est en portée longue sur la toile, ouais. Mais ce tour-ci, tu ne pourras pas parce que l'autre a fait la manœuvre. Clairement, on a dit que vous perdez le tour. Hein. Eh ben, bravo. Voyant qu'il n'a pas soupiré, je ne suis pas d'accord. Je pose ma main sur lui et j'ai dit de te dépêcher. Mais c'est quoi ça? Mais j'ai la moitié vomi là. Attends, le petit c'est mes dégâts. Putain, quoi? Attends, quoi? Mais c'est quoi? Disons que. Alors, regarde s'il n'y a pas un moyen de vérifier que tu meurs pas, quoi. Mais il est complètement con. Attends, moi je suis en train de chercher Cléor. Attends, mais il vient de faire quoi là avec sa main? En gros, il t'a lancé un sort. Tu as. Asimi comme électrique, plus 2 au jet d'attaque. C'est un sort instantané. C'est pas précisé que t'as le droit à des tests de réflexe pour échapper. Donc, Il n'y a pas un test de résistance à la magie, un truc comme ça? T'as de la résistance à la magie? Ah oui, ok. Bon. Moi, je veux bien, hein, mais t'as ce qu'il faut? Je sais pas. Moi, personnellement, je vois rien. Hein. Ah, mais c'est pour ça que je ne trouvais pas. Je cherchais la clé, mais c'est à B. Et normalement, je suis en position 67. Je suis pas censé faire un test de sagesse sur un sort? Non. Enfin, si, si tu veux reconnaître le sort. tu peux pas le contrer, là. C'est... Ah, ok. Tu sais, il a dit je le lance, je balance, ok. Putain, on aurait juste dû faire le défi de. Est-ce que. Enfin, de parier s'il allait bourrer ou pas. Ah oui, Cloviac, tu peux, si tu veux, hein, une enrayer une arme avec Ouchbo. Non, c'est le vaisseau qui va se prendre un D6, dommage. C'est le vaisseau qui va être enrayé. Hein. Bah là, par contre, j'ai envie de dire, il y en a un qui s'est pris 19 dans la gueule. Non, à savoir, attends, est-ce que avec son attaque, il a passé ta classe d'armure? Déjà, on rigole, mais. Classe d'armure surprise, il s'attendait pas à l'attaque. Je suis arrivé en mode diplomatie, j'ai posé ma main sur lui et basta. Il n'y a pas de prix à dépourvu dans ce jeu-là, je crois. Si, tu dois juste retirer ta dex. Oui, bah. Dans tous les cas, même avec sa dex, tu le touchais, hein. Je suis en train de regarder avec un 17, tu le touchais, hein. Même avec la dex, hein. En gros, je suis mort parce que c'est. Non, tu n'es pas mort. Tu as perdu tes 14 points d'endurance, tu as 0 actuellement. Bon. Et ensuite, tu retires 5. Et là, tu as 11 PV. Il a 0 pile, ça ? Il a 0 points d'endurance et 11 points de vie. Ah, mais il est même pas mourant encore. Il est même pas mourant, hein. C'est. Ah, je pensais qu'il était mourant, j'allais faire un RP, mais non, du coup, il est pas encore mourant. Alors, attendez. La petite décharge électrique sur l'épaule. Flerking, pour qui tu payes le médic? Pour X6. Ah, ouais. Faut bien éviter qu'on perde quelqu'un trop rapidement, là. Mais t'es pas bien, tu m'as fait mal, espèce d'abruti. T'as mal.
T'as mal pour une petite décharge électrique. T'as jamais fait tout ta heure. Non mais attends, mais tu fous de ma gueule ou quoi? Tu m'as dit que t'allais te dépêcher à tirer. T'as pas tiré? Et attends, je viens de me taper un vol plané à travers le vaisseau à cause de l'eau de furteux là. Mais me dis pas que tu serais allé te dépêcher à aller sur ton poste pour tirer si tu tires pas. Non mais... Et toi tu fais quoi toi? En fait t'as fait quoi pendant ce moment? Moi je veux deux heures. Voilà, donc c'est moi qui teste de perception. Vous assumez. L'inspecteur des travaux finis quoi. Ouais super. Mais c'est quoi cette équipe? C'est dangereux. C'est tes alliés. Si j'avais su, j'aurais pas accepté le contrat. Dynamique, fais-moi un petit jet de perception. Va te laver, tu pues vraiment. Attends, jet de perception, t'as dit? Pour Dynamique. Hein. Pour Ronin. Un jet de perception, moi? Ouais, ouais. Pour te rendre compte que le vaisseau est parti. C'est ça, t'es le seul à regarder encore à peu près ce qui se passe dehors, qu'il y a qui est là en train de regarder ce qui se passe derrière lui en s'étant vomi dessus. Bon, non. Tu vois rien. Toi, tu t'es retourné derrière en mode, il se passe quoi? Ça a l'air marrant, vous faites quoi? En vrai, je remettrais bien une dose. Tu peux. Réclame à Ouch Kloviak, sur qui? En fait, ouf. Non, pas ouf. J'ai été moins bon. Ouais, non, là, tu passes pas. Donc, tu commences à essayer et t'as pas pris assez de vitesse pour bien les retourner. Il a déjà plus mal, alors arrête de râler. Je lui gueule dessus. Mais tu vas arrêter. Du coup, Kloviak, pour qui le coach Fobo? Qui se prend un D6 de dommage? Vers Dynamic Game, je pose ma main dessus, je fais, tu veux vraiment continuer? Oui. La décharge électrique va endommager l'eau. Ne le refais plus. Bravo. Bon, bah le vaisseau, si j'ai bien suivi, il s'est pris 4 de dommages aussi. Hein. Quel côté? Parce que du coup, il a même pas passé le bouclier. Bah, à l'intérieur, directement. Soit on s'en fout, c'est l'intérieur direct. Hein, les boucliers, ils absorbent rien là. En fait, t'as pété la console d'armement. Tu sais. Ouais, mais 4, en soi, ils peuvent se les prendre. Ah, il a 30 points de vie hein, de structure avant d'être pété. Et même là, il sera pas pété direct, je crois, s'il arrive à 0. Hein. C'est marrant parce que le pourquoi combat. Pourquoi je peux pas recommencer? Ah, mais là, c'est drôle. Et vite. Regarde, c'est ouvert. Oh. Ah, mais t'as plus. Et toi, va te laver, qu'est-ce que tu fous encore là? Alors là, juste pour le fun, j'aurais dû dire à... Parce que le vomi, il a volé partout, j'aurais dû dire à Dynamique de faire un test de réflexe pour voir s'il s'en prenait pas plein les poils. J'ai juste d'y penser, mais je le fais pas. Tiens, je vous remets là, comme ça vous êtes dans le vaisseau. Vous pouvez voir ce qu'il y a. Alors moi, je sors et je regarde les pièces et je cherche un... un endroit où me laver. Je viens à boire. Alors... Ici, c'est une salle de conférence. C'est ça. C'est une salle pour se détendre. Mais c'est pas une salle de douche. Ici. Bah, tu vois bien que c'est les chiottes avec les douches, donc. Non, mais c'est en fait, bien d'avoir des douches ou un évier en fait. Non, c'est les chiottes et les douches. Non, les chiottes et t'as la douche. Bon, je ferme la porte à clé. Donc tu peux pas rentrer, Siska. Je bloque la porte avant qu'il la ferme. Ah non, trop tard. T'étais pas encore là quand il l'a dit. Donc t'es derrière la porte en mode ouvre. Il tape d'abord, enfoiré. Bah. Et je me prends une douche. Je vais au truc de pilotage et j'essaie de déverrouiller sa porte. Enfin, c'est un test d'ingénierie. D'informatique plutôt. Ouais. Tiens, rapide. Alors, la porte est déverrouillée. Ah, du coup, je rentre. Ah bon. J'ai dit les femmes d'abord, et là, je le traîne dehors. Alors, non, attends. Tu as dit, tu le traînes dehors. Test. Pardon, attends, je le fais. Tu fais un test là. Ouais, je le verrouille, moi, derrière. Alors, ok. Rentré, je l'ai verrouillé. Donc, vous êtes enfermé à l'intérieur. Par contre, là, Siska, tu dois me faire un test pour battre sa BMO ou son DMD, je sais plus comment ça s'appelle. Un test d'attaque. Donc, tu le chopes. Bon, j'ai pas précisé par où, sachant que tu es plus petite que lui. Et t'essayes de le tirer. Lui, il te regarde. En mode, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et tu vas devoir nous préciser par où tu l'as chopé pour tirer. par le bras, faut pas qu'il te vire. Ok, donc techniquement, s'il se retourne, il peut te biffer son. Non, mais c'est bon, je reprends mes habits, je sors.
Enfin, je prends une serviette déjà. Parce que j'ai pas fini de laver. Où c'est que t'as vu qu'il y avait des serviettes? Donc, je prends mes habits, je sors. Alors, non, non, je sais. Tu prends tes habits, t'arrives devant la porte. Ah, ça marche plus. Comment je fais? Quoi? Mais tu sais pas ouvrir une porte, espèce d'abruti? Il y a quelqu'un qui l'a fermé. Est-ce que je peux essayer de hacker la porte ou je sais pas? Oui, tu peux. Un test d'ingénierie, là, par contre, pour hacker, pas informatique. Ouais, via le système informatique. De toute façon, le DD, c'est mon DD à moi. Ouais, même sans ça, hein, même avec un DD facile, il serait pas passé. Hein. Non. Ah, ouais. Bah oui, puisque comme le niveau de groupe augmente, les DD augmentent aussi. Donc même le DD facile devient de plus en plus dur pour certains. Au hasard, Siska. Mais attends, mais j'ai rien à faire comme test là. Non, non, mais. Ouais. De façon générale, hein. Là, bah t'es oui, le plus bas ouais, level ouais. Maintenant, donc ouais. C'est bah pour oui. Toi que ça devient de plus en plus dur. Ouais, je sais. Donc, et du coup, je prends dans la tête du metagame, je fais leur espèce, ça dure combien de temps, à ton avis, pour s'amuser comme je me suis amusé avec la dame? Alors, ça dépend du monsieur. Ça peut mettre entre 3 minutes et plus d'une heure. Dans le doute, laissez une demi-heure et puis on verra bien si ça marche. Je vais rouler dans une demi-heure. Je tambourine la porte, mais de toutes mes forces. Tiens, c'est un concept que j'avais pas fait avec la dame, ça, c'est normal? Je sais pas ce qu'ils font derrière. Écoute, je vais nous mettre un peu de musique parce qu'ils sont un peu chiants. Ah, mais c'est bruyant, ces choses-là. Allez, le test pas. Non, ça y est. C'est pourquoi, ce test? Pour mettre de la musique dans le vaisseau. Donc, t'as mis de la musique. Par contre, je sais pas où t'as trouvé de la musique. Hein. T'as piraté le net ou un truc, mais t'as trouvé de la musique et tu le diffuses dans le vaisseau. T'as choisi quoi comme musique? T'as une préférence, Dynamic Game? Un truc qui bouge bien. Dick et Dick et Wall. Parfait. Et du coup, bah, je vais bouger le vaisseau en fonction. Bah, tous ceux qui étaient pas au courant, donc c'est-à-dire les deux qui sont dans la douche, test de réflexe, suivi d'un test de vigueur. je considère que Cérébellum, tu as prévenu Cérébellum en disant je vais déplacer le vaisseau? Non. Bon, bah, c'est Cérébellum aussi. Mais j'ai pas de peinture, moi, je suis assis. Oh là. Alors, réflexe, les deux sont secoués. Les deux vomissent. Oh. Avec un vent, enfin, avec j'ai repris les difficultés difficiles. Ah ouais, mais... Attends, si même avec un 19, je passe plus les tests... C'est 21. Bon. Tu l'as échoué d'un point. Ouais... Oui, donc bah, d'un autre côté, ta vigueur, t'as un, quoi. T'as un de vigueur. Là, c'est le problème, c'est que t'as pas de vigueur, mec. Mais faut que je fasse un critique, quoi, en fait, pour réussir. Et Cérébellum, pareil, tu te vomis dessus. Alors, vous êtes secoués, vous vous retrouvez dans la douche tous les deux. J'ai pas encore précisé la posture. Et toi, tu te retrouves dans le siège de l'autre côté. Sauf que t'as vomi. Dynamique, tu me fais un petit test pour savoir si ce coup-ci t'évites le vomi ou pas? J'avais déjà fait sur le précédent, j'avais fait 20. Ah mais là t'as refait un nouveau squash. Ah ouais aussi. Oui. Non mais voilà, comme ça tu sais, j'ai déjà fait pour le précédent. J'ai fait 22. Il n'y a pas de vomi qui est arrivé sur toi, t'as réussi à bouger au bon moment. Alors maintenant la question c'est, est-ce que je vous fais atterrir juste comme ça normalement, ou est-ce que j'en profite pour faire un truc dégueulasse? Alors une petite question. Oui. Il y a combien de malus pour Cérébellum et Cérébellum au maximum de malus et Dynamique au maximum de malus. Merde, je peux pas l'en rajouter. Non, par contre, là, moi, j'ai envie de dire, sur 50 ou plus, vous atterrissez normalement, rien de bizarre. Sur 50 ou moins, libre clou. Tu nous as, en fait. Non, bah non, je fais ça au dé. Attends. Disons que Siska a maintenant deux queues sur elle. Pardon. Non mais... Dégage. C'est-à-dire que... Bah...
Il y en a un qui a fini avec son entrejambe sur la tête de l'autre. Hein. Vous avez été secoué. Oh, mais attends, il n'y a pas eu un critique, là, du calme. Hein. Non, il y a eu un critique, je pense que tu l'aurais eu ailleurs que sur la tête. Depuis quand je suis tombé sur la hentai, moi. Alors, non, mais ce qui est beau, c'est que personne ne sait ce qui s'est passé. Là, pour le moment, ça reste entre vous. Cérébellum n'est plus en train de regarder aux caméras. Il n'y a pas de caméra. Si. Non, il n'y en a pas quand même. Je dégage d'elle et je me mets dans un coin en mode safe. Je ne m'approche pas de toi, je n'ai pas envie de prendre. Alors, non. Imagine que le pire, c'est pas ça. C'est que vous avez fini dans cette position-là où vous êtes en vomi dessus. C'est dégueu. J'ai pas signé pour ça. Et là, vous voyez Firking accroupi dans un coin en train de se balancer sur lui-même en mode « J'ai pas signé pour ça, je suis tombé, sortez-moi de là, s'il vous plaît. » Bon, au moins, Siska, t'es déjà dans la douche pour te laver. Je m'accroche à ce que je peux. Il s'accroche au pommeau de douche. Oh, bah, c'est bon, si ça recommence. D'ailleurs, ma position, moi je suis face au mur, hein, je suis pas face à elle là. Je suis face au coin de mur. Il est puni dans son coin en mode qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis là? Bon, après toutes ces conneries, quand même. Encore après quelques. On va dire quelques heures de voyage. Vous arrivez enfin en face du vaisseau que vous devez explorer. Donc, j'ai eu le temps de prendre une douche entre temps. Oui, oui, vous avez eu le temps de vous laver. J'ai dit ça a duré des heures. Là, Créon, vous arrivez devant. C'est pas vos tokens, donc il faut que je les efface. C'est pas les bons au niveau des malus. Et tu fais quoi là, Ludy? Ça faisait depuis plusieurs heures. J'étais retourné dans la salle du vaisseau, moi. Non, il est resté pendant toutes les heures avec toi sous la douche. Il nous a toujours pas ouvert en fait. Bah si, j'ai dit après une demi-heure, je l'ouvrais. Oui, ça faisait plusieurs heures. Donc vous préférez. Vous êtes arrivé au niveau de l'Archeron. Vous voyez qu'il y a, deux grosses chaînes, si je puis dire, électrostatiques, tout ça, qui sont reliées, qui relient le vaisseau, l'Archeron, au roc du drift qui est derrière. Et vous voyez que le vaisseau est là à l'arrêt. En tournant autour, vous voyez que tous les sas sont ouverts. Donc vous voyez qu'il y a un sas par côté et le sas arrière. Du coup, qu'est-ce que vous décidez de faire? Bah, je propose qu'on s'amarre au vaisseau et on y va. Hein. Vous pouvez pas vous amarrer. Comment ça, vous pouvez pas s'amarrer? Bah, techniquement, vous avez pas de sas d'amarrage. Enfin, c'est. Regardez votre vaisseau. Hein, vous voyez bien. Est-ce que vous voyez un sas d'amarrage? Il y a un sas arrière et. Bon, déjà, est-ce qu'il y a des capsules pour aller dans les places? Enfin, des combinaisons. Il y a des combinaisons et vous avez votre armure qui vous protège du vide en soi, puisque un certain nombre d'heures. Et qui vous... Déjà, moi je l'équipe, déjà. Alors, par rapport à notre vaisseau, le vaisseau en face, il fait quelle taille? Est-ce que si on fait un trou dedans, il y a moyen qu'on aille se poser? Non. Non, non, enfin, disons que si tu fais un trou dedans, il n'y a plus de vaisseau, quoi. Il n'y a plus rien à explorer, quoi. C'est... Non, mais... Non, de toute façon, tu ne pourras pas poser ton vaisseau dedans. Tout est censé être mort dedans, donc faire un trou, se poser et chercher le matos électronique, on n'a pas besoin d'oxygène. Alors, techniquement, on ne sait pas s'ils sont tous morts, ils ont juste disparu. C'est pas ce que j'ai dit. Donc voilà. Donc du coup, Cérébellum, toi tu t'équipes d'une combinaison spatiale. Ok. Ouais. Pareil, si on a une à ma taille. T'en trouves une à ta taille. De toute façon, le mec les a quand même fait affréter le vaisseau, enfin l'hippocampe, le vaisseau dans lequel vous êtes, pour vous. Donc il a quand même mis des combinaisons à votre taille. Oui, bah, moi aussi, je vais en prendre une. Tant qu'à tu m'expliques comment son cerveau il rentre dans le casque? Tu m'expliques comment t'as pu finir avec deux queues sur toi et couverte de vomi? Il y en a une qui était à moi, je te rappelle. Eh, ça se trouve, en plus, on est mauvaise langue, hein. T'es peut-être un ladyboy, donc ça se trouve, c'était plus que deux. Je pense que je m'en serais rendu compte. Ouais.
Moi aussi. T'aurais été au premier là, j'ai envie de te dire. Ouais. La dynamique, tu fais quoi? Ouais. On est obligé d'aller prendre d'y aller par l'espace. Moi, je veux poser mon vaisseau dedans. C'est quoi, c'est tentant. Tu pourras pas. Qui a l'air de vouloir essayer. Tu pourras pas. Mais il y a personne qui a l'air de vouloir essayer. Tu pourras pas. Mais je m'en fous de ce que le MJ dit. Tu te rends bien compte que physiquement, ça pourra pas. Mais ne fût-ce que faire un trou bien raclé avec le vaisseau et pouvoir sortir en ayant l'air qui communique, du coup. Alors, comme j'ai dit, vous avez fait le tour du vaisseau, les trois sas sont ouverts. Il est déjà déprécié. Ouais. Voilà. Du coup, il n'y a pas vraiment d'oxygène dedans. Si les trois sas sont ouverts. Oui, mais ça va tout ébouriffer mes poils. Non. Est-ce que je peux lui foutre une carte? Oui, tu peux essayer de lui foutre une carte. On a toujours le pilote qui est prêt, si on doit partir d'urgence. Non, surtout pas, il va se barrer avec les tours. D'accord, je reste. Non, tu viens avec nous. Tu viens avec nous. Donc du coup, tu décides d'y aller avec eux ou pas? Bah non, on me dit de rester pour faire le pilote. Ok, donc attends. Je vais CTRL-C, CTRL-V les petit à petit. Cerebrum, tu voudras rentrer par quel sas? Arrière, gauche ou droite? Dimitri m'amène-moi celui d'arrière. Donc c'est entre les réacteurs. Hein. De toute façon, vu que je peux voler, on considère que je peux voler dans l'espace du coup. Non. Enfin, bah, toi, c'est un vol télépathique, donc c'est pas tout à fait la même règle que de vol. Mais techniquement, en gros, il faut que tu aies un truc où pouvoir exercer ta pression télépathique pour voler. Et comme dans l'espace, il n'y a rien sur lequel t'appuyer. Pourquoi Dynamique, t'as fait un jet de piloting? Pour savoir s'il a évité de se cracher sur le vaisseau à côté. Au hasard. En amenant Cerebellum au sas arrière. Voilà. Comme demandé. Ok, il sera au sas arrière. J'avais loupé un petit épisode là pour le coup. Alors, tout de suite, hein, ça fait de la panique. Hein. Je te sors juste pour te montrer que t'es bon. Je pense qu'il y a des raisons de pourquoi. Sinon, les autres, vous faites quoi du coup? J'ai un vaisseau aussi. Hein. Ok. Ouais. Donc vous sortez. Non, restez là où vous étiez. Ça... Non mais. Oh. Ah, tu vois, moi je vais offrir des ouch hein, si ça continue comme ça. Ouch, on est déjà pris un. Non, t'as pas pris de ouch. C'est le vaisseau qui l'a pris. Ah oui, non, toi tu l'as pris gratos. Et oui, toi, Dynamique, tu restes dans le vaisseau? Alors, oui. Mais du coup, je vais tenter de tourner autour du vaisseau et essayer de voir s'il n'y a rien qui bouge autour, quoi. Ok. Donc du coup, donc vous arrivez au sas arrière, vous trois. Et pour ça, hop. C'est bon, tu suspectes rien, tu vois rien. Donc vous arrivez au sas arrière, donc en salle C4. Est-ce qu'il doit se passer des choses en C4 déjà? Vous arrivez, vous tombez sur un dieu qui va vous tuer. Hein? Non mais potentiellement, il peut y avoir des monstres. Altea, elle est présente parce que c'est ici qu'il y a sa phobie. Bref, j'en dirai pas plus. Alors, est-ce que je peux te répondre à cette question? Sûrement. Tu t'attires dans le chat. Non, je ne la vois pas. Elle n'est pas avec nous, Altea. Et je pense savoir de quelle phobie tu parles. Donc, vous êtes dans le sas. Bah, je rentre. Ah, ok, vrai, stop. Je peux rien démonter, c'est vrai. Voilà. Allez, là et là. C'est ça à peu près, ouais. Donc vous bougez plus vos tokens. Okay. Est-ce que vous avez tous vision dans le noir? Bonne question. Alors toi, t'as une perception, je crois, limite à l'aveugle, hein, en étant. Ouais, je dois voir ça. Attends. Bestiaire, il est là. Hop. C'est pas non, Taras.
C'est dans ta race. Là, je suis par exemple sur le contemplatif, vision, perception psychique, pensée à 18 mètres. Donc, lui, il s'en bat les... J'ai une vision aveugle sur 18 mètres et une vision dans le noir à 18 mètres. Non, vision aveugle sur 9 mètres des pensées et vision dans le noir de 19 mètres. Bah, tu vois, j'ai la vision des pensées, donc je peux savoir ce que vous pensez. Tu peux savoir qu'il y a des êtres qui pensent. Est-ce que tu peux précisément savoir ce qu'ils pensent? Je sais pas, avec la vision des pensées. Je crois de recherche. C'est une bonne question, ça. Par contre... Dans capacité, Firkin. Dans côté. Capacité. Par contre, toi, tu l'as pas, par exemple. Non, moi, je l'ai pas. Bon. Ok. Et au pire, je vais vous dire ça tout de suite, hein, pour toi, pour le Daymay. Mais je crois que le Daymay est là, de base. Oui, j'ai vision nocturne. Ouais. Bah, moi, j'allume ma lampe, alors, du coup. T'as une lampe? Bah, sur l'armure, il y a une lampe intégrée, non? Je suis pas sûr. Ou alors, bah, j'allume la lampe sur le datapad. C'est pas grave. T'as un datapad? Bah, oui. Alors, attends. Il y a des facehuggers. Non, mais c'est une vraie importance, parce qu'en soi, techniquement, une fois que t'as passé le sas, tu vois même plus forcément grand-chose. Non, mais j'ai vraiment un datapad, hein. C'est pas du mytho. Oui, non, je vérifie, mais ça me surprend qu'il y ait une lampe dans le datapad. C'est marqué dans le livre. C'est quand t'es... Enfin, c'est quand t'es... Je chercherai ça plus tard. Donc, du coup, vous allez tous les deux, trois, me faire un test de perception. Bon, il est facile, hein. Pour les pensées, je peux détecter juste les pensées et considérer, enfin, savoir du coup si c'est une créature intelligente avec plus que 3 intel ou une avec une ou deux intel seulement. Je peux poser, on doit faire quoi, perception? Perception, ouais, juste pour voir si vous les repérez, mais bon, techniquement, vous devrez les repérer. Ouais. Non, moi, la première chose que j'ai vue, c'est l'ordinateur en face, et puis je me suis dit, ah merde, je peux pas les démonter. Ah, c'est bon. Il y en a un qui est apparu. Hop. Et voilà la phobie de Alter. C'est quoi ce Pourquoi truc? Voilà. C'est quoi? Alors, vous ne savez pas le nom, donc c'est parfait. Pas ressent, pas des chiens bleus. C'est okay. Mignon. Alors, pour le chat, hein, voilà à quoi ça ressemble. Moi aussi, je le vois. Regarde le chat. Hein. C'est une sorte de bestiole à quatre pattes, bleue, avec des tentacules au niveau de la tête, deux petits yeux jaunes, des griffes, beaucoup de dents. Et ça vous a repéré, bien entendu. Ça a l'air sympa, ça. C'est trop mignon. Mais je sens que ça va nous tuer si jamais on... Alors, bien entendu, Cerebellum, toi, tu les as pas repérés. Hein, non, t'étais focus sur le PC, c'est bien ce que t'as dit. Comment il arrive à voir ces... Attention, à gauche et à droite. C'est ça, et du coup, initiative. Dedans, hein, chacun. Moi, j'ai déjà lancé normalement. Ouais, c'est juste que j'avais pas activé le turn order, donc... Non, il se met quand même... Non, je te vois pas au niveau de l'initiative. Non, je fais chier. Initiative. Attends, ça me laisse le temps de lancer le turn order. En fait, vous allez sur votre feuille de personnage, et en plus, moi, il faut que je le fasse deux fois. Non, c'est bien lancé. C'était pas lancé. C'est entre la fenêtre personnage et la fenêtre santé. Ta initiative. Ah oui. C'est au-dessus de santé, hein, pour être précis. Attends, j'ai bien cliqué dessus, oui. T'as pas cliqué ton token, c'est le seul défaut, mais ça c'est un truc que tu vas apprendre. En fait, quand tu fais un test d'initiative, il faut que tu cliques ton token avant de lancer le dé. Faut que j'en fasse le... Non, je vais te rajouter à la main. Merde, ça a fonctionné. Voilà, en fait, si tu cliques, ça te met automatiquement dans la map. À la fenêtre. C'est ça. Alors que là, bah, tu vois, j'ai dû te rajouter à la main. Bon, ce qui est bien, c'est que t'as fait 9 et quelques. Donc 9.04, on s'en fout du 0.4, mais voilà. Et donc, par décroissant, du coup. Voilà, il fallait... T'as pas réussi à faire décroissant. Voilà. Il faut que je prenne l'habitude, j'ai pas l'habitude. Donc c'est un Akata, voilà le nom de l'espèce. C'est même celui en haut qui va agir en premier, ensuite Siska, Akata, Cerebellum ce tour-ci, tu n'agis pas. Et ensuite Flirkin. Voilà. Du coup, ben, le premier... J'agis pas, je fais quelque chose que j'avais prévu hors combat, moi. Oui, c'est ça, tu continues d'aller regarder le PC. Ouais, c'est ça, moi je vais voir des informations sur le PC, moi. Le plus proche, bah, c'est Flirkin. Mais je l'ai prévenu, en fait, Cerebellum.
Oui, mais il y a l'initiative en fait. Au moment où tu l'as repéré, eux ils vous ont repéré pareil, donc initiative. Okay. Donc lui, pour lui, c'est ah, il y a quelque chose. Merde, j'ai pas eu le temps de me préparer. Ah, il y a quelque chose. Pourtant, j'ai clairement dit, vous en prenez un chacun. Hein. Oui. Ah non, mais c'est ça. Hein, c'est parce qu'il y en a un qui va charger là déjà. Du coup. C'est ça, morsure. Full attaque, non, parce qu'il a chargé. Et j'ai mis en tout GM, donc il faut que je vous remodifie ça pour les prochains jets. Public, voilà. Donc il a fait 26. Flirkin, est-ce qu'il passe ton armure? Mon armure, elle est où, mon armure? C'est en bas, armure, équipement... Désolé, j'apprends encore un peu. Oui, non, oui, vas-y, regarde. Moi, pendant ce temps-là, j'en profite aussi pour regarder autre chose. C'est où l'armure du coup? J'ai l'équipement. C'est la CA. Donc, dans. Attends, il faut que j'ai la feuille sous le nez pour être sûr de ne pas te dire de conneries. Tu as santé, en dessous, ta classe d'armure. Là, c'est de la CAC que tu dois regarder parce qu'il te mord. En fait, il s'est jeté sur toi comme un clébard. Donc, c'est. Donc, il te mord. Bon, bah, comme il a fait 26, on est d'accord que c'est au-dessus. Oui. Du coup, tu perds 4 points d'endurance. Et tu vas me faire un petit test de vigueur. Le vigueur. Rate-le, qu'on rigole. Vous oui Il a échoué. Il a fait combien? Non, il a réussi. 12. Non, je sais plus c'est quoi le DD. Il a réussi. Ok. Il faut pas dire si on a réussi ou raté, vu que ce sera dans le montant. Ça annonce rien de bon, tout ça. Bah, il a déjà perdu 4 PV, quoi. Enfin, 4 points d'endurance. Non, mais la morsure, là, ça a l'air de puer. Mais non. Non, c'est rien, honnêtement. Rien du tout. Par contre, t'as retiré tes points de vie? D'endurance, oui. Endurance, ouais. Alors, je dois avoir un problème parce que je te vois toujours à 18. Attends. Hop. Ah voilà, c'est mieux. Oui, c'est que j'avais encore le curseur dessus, donc je pense qu'il fallait que j'enlève. Voilà, Siska. Eh ben, je vais tirer sur celui qui est en bas. Ok. Si j'arrive à pivoter. Hop. T'as pas le droit au full, hein, vu que t'as dégainé ton arme. De toute façon, je vais rater si je fais une full attaque. Donc. Pas forcément, moi, hein, en soi. Ouais, même sans faire de full attaque. Voilà, même sans le full attaque, hein, te sous-estime pas. Petite réussite critique, ça fait mal. Du coup, c'est lui, bah, il va te charger. What the... Alors, Akata. Ah bah moi je suis bon pour y passer avec ma fortitude. Bah d'un autre côté. Non mais même si je veux que vous y passez hein. Vous avez vu le nombre de malus que vous avez sur votre gueule. Ouais c'est pas faux. Alors tu gagnes 10 malus. Hein ouais, voilà. Allez, petite réussite critique. Attends, j'ai fait quoi là? C'était quoi ça? Ah d'accord, donc il a fait 21. Vous êtes comme moi, vous avez vu que le D6 en fait. Ouais. Ok. Ouais. Donc 21, il passe à CAC? Je pense que oui, hein, vu qu'un 17 l'a passé. Ouais, à 15, donc. Donc tu perds 6 points d'endurance et tu me fais un test de vigueur. Ouais, enfin, de toute façon, je vais pas la passer. Ah, moi, vas-y, critique. Allez. Tu sais, quand même, groupe, que je me suis fait chier à vérifier toutes vos races pour savoir si ça pouvait s'appliquer, hein, l'effet. Tu t'es pris la tête pour rien. Ah, j'étais pas sûr que vous étiez tous humanoïdes. Si. Cérébellum, c'est à toi. Donc t'as pas le droit de combattre, bien entendu, puisque t'étais occupé à regarder le PC. Je regarde pour réalimenter le PC, voir si j'ai des caméras, des infos, voilà quoi, le tralala. Je suis occupé, moi. On aurait besoin d'un petit peu d'aide, là. Attends, j'ai bientôt réallumé le système. On aurait besoin de cette petite décharge électrique qui s'est pris tout à l'heure. Alors... Ouais, non, là, c'est, tu te rends compte que c'est la salle des machines, donc ouais, tu... Tout est... Bah, du coup, je cherche la boîte noire, c'est la boîte machine.
Tu vois que tout est alimenté encore. C'est juste que bah, ça a été coupé au niveau du poste de pilotage et tout. Est-ce que tu recherches et tout? Donc tu peux en mettre le Okay. courant et tout, mais c'est au poste de pilotage que tu pourras tout bien gérer pour. Bah, si je peux au moins remettre le courant, l'eau 2 et fermer les sas. Non, tu peux pas de ce niveau-là, c'est vraiment au poste de pilotage que tu gères. Ok, Ça. ça marche. Il y a juste le courant qui est remis du coup. C'est ça, là, t'es sûr que t'as bien remis le courant dans tout le vaisseau. Voilà, au Courant qui moins la était juste lumière. en Allez. mode économie d'énergie, si je puis dire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'était pas coupé, mais il était en mode on dépense le moins possible. Ok. Bah voilà, on a de la lumière au moins. Est-ce que Ronin dort? Je ne sais pas. Ronin, dors-tu? Non, non, je ne dors pas. Il ne dort jamais, Ronin. Dans 2 minutes, il ira dormir. Donc, du coup, maintenant. Ouais, dans 2 minutes, potentiellement. Bah, si tu veux t'arrêter là, Ronin, pour aller te coucher, tu peux. Hein. On va finir ce Non, combat-là non, seulement. bah je reste jusqu'au bout, t'inquiète. Ok. Donc, lui, il va faire une full attaque de morsure sur la gueule de celui qui est devant. Mon tour. Ah oui, merde, j'ai oublié. Vas-y, fais-le. Je t'ai oublié, je pensais que tu l'avais fait. Du coup, je présume qu'il est encore en train de me mordre. Ah ouais, tu sens bien ses crocs à travers. Je lui tire une bastos avec mon flingue avec l'autre main. Sachant que, je sais pas si tu prends en compte, mais les morsures passent à travers la tenue. Ouais, Oui, non mais je. tu l'as précisé ou pas ça? Non, je l'avais pas précisé, c'est vrai, mais donc oui, il y a des trous dans ta tenue. Oh putain. Ah, toi, tu... Non, ok, quand je disais elle passe à travers, c'est elle trouvait pas la tenue, je sens. Ah! Ouais, Ouais, ils ont du déphasage, eux? Je suis pas sûr. bah sinon ça explique pas un truc sémantique plus tard. Oui, non mais oui, je vois ce que tu veux dire. On va pas s'occuper de ça là, parce que de toute façon, ils s'en occupent pas dans les règles de jeu Starfinder, des trous qui sont faits par les armes, dans les armures. Hein? Parce que techniquement, si tu tires sur quelqu'un, ça fait un trou, c'est pas cautérisé. Vous êtes avec le sas ouvert à côté. Ça pue un peu la merde. Voilà. Sinon, en convention, quoi, ça l'arme. Mais ouais, non, je l'avais déjà remarqué que c'était pas pris en compte les trous et tout ça. Alors, tu tires à bout portant. Merde, Alors, t'as pas c'est pas fait ça. ton attaque, et après, tu tires à bout portant. C'est attaque, c'est pas. Ouais. Oui, à bout portant, du coup. Bah, attaque d'opportunité, hein. Du coup, c'est dans attaque, c'est ça? Alors, je sais pas où t'es, donc je ne peux pas t'aider. Dans attaque, tu cliques sur ton flingue. Ouais, mais je clique sur mon flingue et ça fait Et rien. ensuite, regarde Ensuite, ça derrière. t'ouvre une Enfin, fenêtre en théorie qui te ça propose t'ouvre full la attaque coupe. ou pas. C'est ça. Sachant que Ah tu n'as putain, pas le c'est droit à bon. la full attaque, tu es obligé de faire une normale puisque tu as dégainé ton flingue ce tour-ci. Ouais, c'est bon. Non, c'est juste qu'en fait, vu que j'avais. La tête devant. Ouais, merde, j'ai cliqué deux fois. Bon, bah, du coup, le premier truc. Ouais, t'inquiète. Tiens, lui aussi, il en profite parce qu'il te voit dégainer et tout, donc il essaye de te niaquer un petit coup. Tirer au corps à corps n'est pas une bonne idée. Ça donne des attaques d'opportunité à l'ennemi. Oui, mais en même temps, Oui, tu n'as pas d'arme de tir, enfin de corps à corps. C'est un autre problème. Donc, t'as tiré avec ton pistolet perforateur diffracteur. C'est le premier que t'as pris. On va prendre le premier parce que je suis gentil. Donc ça touche. Par contre, lui aussi, il t'a touché. Donc tu me refais un test de vigueur. Ah, vigueur. Je vais faire un cac. Vigueur, Non, ça va. J'ai très peur de ce qui se passera si jamais je fais enfin, à quelqu'un loupe le test de vigueur. Du passe à venir. Faut y aller pour le rater, hein, mais vigueur, vigueur. Il Ouais, semble. il est pas difficile à réussir, honnêtement. Allez, Bah c'est ton attends. jet. J'ai fait le jet Ah, de tout à fait. J'ai vu vie. le dérouler. Ok, donc du coup maintenant c'est à lui. Maintenant c'est vraiment à lui. Et là, bah, il va te faire une full attaque, il va essayer de te grignoter jusqu'au bout. Mais du coup j'ai perdu des PV là ou pas? Ouais, t'as perdu 5. Oh putain! Oui, ça T'as pue. perdu, pas 5 PV, hein, 5 points d'endurance. Tant que Oui, t'as les points oui. d'endurance, c'est l'endurance qui prend en premier. Bah oui, hein, t'as essayé de tirer à bout portant, le temps que tu dégaines ton flingue et que tu le maques, il a fait gna-gna! J'avais pas fait quoi en même temps. Voilà, là, c'est fou l'attaque dans. J'ai envie de te dire dans tes dents, mais là, il est plus en train de grignoter ton bras ou ta jambe. Bon, la première, elle passe pas. Je te pose même pas la question, à 6. Par contre, la deuxième, elle passe. Test 2. Vierre! Avec un petit malus! Mais je peux pas faire un truc de. Non, non. Bah moi, J'en ai pas je te envie. file un malus si t'as des bonus à utiliser. Vas-y, hein, j'en crame qu'un seul. Donc, Je parlais du cac. Oui. Ah ouais, même sans le malus, tu l'aurais eu. Jamais! Alors, Ah comment ça marche? non, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard.
Faut juste que toi tu te rappelles qu'il a ça. Oui. Oh, Buffer. Alors, Flirkin. Oui. Tu as. Bah, perdu 6 points de, d'endurance. Oh, putain, mais j'ai pris cher. Oui. Ça pique un peu quand même. C'est quoi, c'est l'équivalent des. Alors là, vous êtes sur du FP1. Pour, en termes de puissance. C'est-à-dire que c'est un, l'équivalent d'une équipe niveau 2, niveau 1, quoi. C'est, vous êtes censé pouvoir les affronter. Uh-huh. Sans problème. Enfin, sans trop sans de problème. C'est sûr qu'on est que deux à se battre, hein. Je rappelle quand même. Ah, ça, c'est un moi, autre problème. En train de me mordre le bras. Ça, c'est un autre problème, hein. Dis-toi donc... que je ne suis pas dans le combat et je ne suis donc pas un poids en plus. Et, c'est ça. Il tape aussi fort que les vampires dans Divinity. Donc t'as besoin de mon aide, ah, pardon. Alors, est-ce que les créatures sont considérées comme vivantes? Je ne sais pas. Est-ce que t'as fait un test pour savoir qu'est-ce que c'était comme créature? Tu vois deux créatures qui te foncent dessus. Il n'a pas fait de test de science de la vie ou de science physique qui pourrait justifier que tu aies identifié quel type de créature c'était. Et le problème, c'est que ça va te prendre ton action, quoi, quand même. L'action complète. Ah oui, d'accord. Bon, bah. Bah, en soi, ça va te prendre du temps d'essayer d'identifier la bestiole. Donc, ouais. C'est soit je te fais une demi-action et tu pourras juste deviner un bout de la nature de la bestiole. Je te laisserai pas tout deviner. Soit tu prends ton temps pour essayer d'en deviner le maximum à ce que tu vois. Et là, oui, bon, bah, t'en devineras. Plus mais je veux dire, normalement, si tu sais une chose, tu la sais, tu réfléchis pas pendant 3 heures. Ouais, tu penses à une action libre. Enfin. Oui, enfin là, c'est en plein milieu du combat. Il faut que tu t'en rappelles de la chose. En plein milieu d'un combat, c'est pas aussi facile de se rappeler de quelque chose que quand t'es tranquille, posé. C'est à ça que sert le dé. Je vais utiliser. Déjà. Pour être précis, c'est science de la vie, je crois, pour savoir. Non, mais laisse tomber, je le ferai pas. D'accord. Je vais utiliser un bonus. Ouais. Je vais utiliser la lame d'os lourde. Ok, donc tu dégaines ta lame. T'avais pas pensé à ce détail-là. Hein. Il n'y a pas de dégainage sur la lame d'os. T'as pas de dégainage pour une arme? C'est pas une arme. Hein. C'est une arme incorporée, mon bras. Bah ouais, mais il faut bien la sortir de ton bras. C'est pas instant. Mais attends, je sais. Bah, faut que je vérifie la description, mais je sais plus si c'est compté en tant que dégainage. Pour moi, c'est t'es obligé de dégainer. Ah, mais ça, c'est toi qui le dis. Maintenant, après, ça, c'est une compétence. Hein. Ouais, mais comme le MJ a toujours le dernier mot, j'ai envie de te dire, si c'est moi qui le dis. Ah non, 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 c'est là, c'est le. Alors, nécrogreffe, je suis dessus. Hein. Lame d'os. Une lame d'os, c'est une arme incorporée dans le bras. Et une action rapide. Ouais. Donc voilà, t'as trouvé toi-même ta réponse. Après, ça me semble logique que ça soit pas instant non plus, que ça prenne pas moins de. C'est quoi? C'est 6 secondes un tour, donc une demi-action, ouais. c'est 3 secondes. C'est pas énorme, mais pour moi, ça me semble logique. Ok. Bon, donc tu dégaines ton arme. Ouais, bonjour, Wolverine. Et t'as utilisé un bonus. Et j'ai utilisé un bonus. Donc tu décomptes ton bonus. Et donc tu fais, avec le bonus de plus 5, 23, donc tu touches. 3 de dégâts. Bah du coup, c'est à la bestiole en face de toi, la cata en face de toi, qui va scrunch scrunch. En plus toi c'est bien, t'es plus petit donc elle a l'épaule quoi. Ouais, si elle veut scrunch scrunch, elle a pas les bras ou les cuisses comme avec l'autre. Non, c'est plus proche de la tête directement. En full. Scrunch scrunch. Alors, est-ce que ça va faire scrunch crunch ou pas? Ou est-ce qu'elle va se casser les dents? Que je sois pas le seul qui se passe scrunch crunch. Putain, le 12, j'ai un doute sur le fait qu'il passe ou pas. Je suis à 15 en CAC. CAC, bon, aucun des deux ne scrunch crunch. Bon, ok. Ah, ils ont. Tu vois les résultats, hein, ils ont fait 12 au mieux. Oh. Cérébellum, à toi. Oh, je suis pas sûr que tu découvres des choses avec 14. Non. Ça, c'est du. Non, pas qu'elle, je peut-être que je peux avoir comme un peu. Comment
le cerveau sur patte en train de faire ses trucs sur l'ordi pendant que les deux autres sont en train de se battre et de se faire buter. Non, là, en gros, il essayait de deviner quelle race c'était et essayer de savoir s'ils ont pas des points faibles ou des conneries comme ça. C'est ça. Voilà, je vous dis clairement ce qu'il a essayé de faire, sans le dire. Ouais, du coup, vu que tu considères que c'est un tour complet, vas-y, j'ai fini mon tour, du coup. Je suis juste envolé par-dessus les PC. Ouais, voilà. Identifier une créature, voilà. Il a utilisé la science de la vie pour identifier une créature. Donc voilà, il s'est envolé pour ne plus être tout à fait à portée de Scrunch Crunch. Flerkin, j'essaye de me débarrasser de celui qui est en train de me Scrunch Crunch. Comment fais-tu? Je secoue mon bras. Je vais faire crédit ce que je suis en train de faire. Je tape avec la crosse de mon arme. Ok. Comment je vais te faire faire dans ça? Dans les yeux, dans les yeux. Bah, non, mais ça va être comme taper avec une arme improvisée. Attends, je te crée ça. En gros. Ça pourra pas et être du létal. Ça pourra lui faire une attaque d'opportunité, du coup? Non, parce que c'est du corps à corps. Okay. Fait d'attaque force, tac tac tac. 1, 2, 3. Et c'est du non-létal que tu causeras, parce que bah, c'est la crosse, quoi. Tu peux pas tuer avec ça. Ou sinon, c'est vraiment un gros coup de chance. Voilà, je t'ai fait un macro, arme impro, avec une belle faute d'orthographe. Donc tu cliques dessus, et tu peux même faire du full attaque si tu veux. Vérifie juste un truc, arme simple, déformée, donc oui, voilà. Magnifique. Alors, le premier il passe pas, le deuxième tu sens que t'as un peu mieux réussi ton coup et que t'arrives à le toucher. Hein, tu lui as fait mal, entre guillemets. Putain, non, il est. Voilà, on va le faire comme ça. Entre guillemets, sachant que moi je vais mettre un compteur à côté pour savoir combien il s'est pris de non-létal. Voilà. Donc, scrunch crunch. Écoute, en termes d'attaque, ils sont limités à scrunch crunch ou scrunch crunch. Ils n'ont qu'une attaque, c'est morsure. Donc il va continuer à essayer de te scrunch crunch deux fois, quoi. Donc il te donne deux coups de dents. De morsure. 14 et 17. Oh putain, mais je vais mourir à ma première séance ou quoi? Non, c'est pas ta première, c'est ta deuxième ou troisième. Troisième. Oh, je te rassure. Hein, 6K, enfin X6 et Ronin sont morts au bout de leur deuxième, je crois. Hein. donc ouais, seulement parce que la première, on a traîné. Ouais. Ouais. Non, et surtout parce que la deuxième, c'était de l'impro total, parce qu'il y avait deux absents. Là-dessus... Non, c'est parce qu'il y en a un qui s'est mis à agresser les flics qui me posait simplement une question. Le 17, il passe, donc tu te retires 5. Moins 2. Est-ce que ça change quelque chose de deux fois? Techniquement, tu l'as déjà, ça remarche pas, ouais. Et c'est une fois par jour qu'il doit avoir fait un jet. Oui, je sais. Oh mon dieu. Et je sais aussi au bout de combien il est guéri, potentiellement. S'il n'est pas guéri naturellement. Techniquement, je suis à moins 2 en points d'endurance. Donc j'enlève 2 PV. C'est ça. Tu retires tes 3 points et tu retires 2 en PV. Ah oui, tu veux. Là, ça veut dire que ton personnage commence à saigner. C'est ça. Là, c'est encaisser les coups que tu pouvais encaisser normalement. Ouais, maintenant, c'est des coups qui vont mettre un peu plus de temps à guérir. Siska. Eh bien, écoute, je retape à la lame d'os. Hein. Ok, là, t'as le droit au lourd. Enfin, t'as le droit au... Ouais, la foule. C'était ouais. De la violence plaisir gratuite sans tir de sommation. Normal, il n'y avait pas eu de tir de sommation, ils n'ont pas utilisé leurs armes à feu. C'est vrai, le bonhomme, il va s'envoler par-dessus le sol, par-dessus eux, en sortant par le sol, en mode « Allez, salut !» Oh là là, hein, pas exactement ça. Oh, il y a un fumble. Alors, retournons voir les règles de critique. Si échec au corps à corps. Non, mais corps à corps avec une arme à distance. Ici, c'est pas une arme à distance. Non, j'ai au corps à corps
ou dégâts sur l'arme. Tu me fais un jet de réflexe, ou sinon c'est ton arme qui prend des dégâts. On avait décidé que c'était comme ça dans ce cas-là. Justement, à cause de ça. C'était pas la... Ok, c'était pas la vigueur qu'on avait... okay. Non, c'était réflexe. Okay. C'est marqué, moi, hein, donc... Hein. Moi, ça m'arrange. Réflexe. Ok, c'est de la merde. C'est de la merde. Voilà, et aucune de tes deux attaques ne touche, hein, bien entendu. Oui, bah ça, on a compris. Mais ça t'apprendra à dire que ça t'arrange. Du coup, bah, dégâts sur l'arme. Donc ton arme perd 5 points de vie. Ça va, il reste 300 à peu près. Peut-être pas 300 non plus, mais il en reste suffisamment pour que tu sois pas inquiété. Et au pire, ton arme cassera et elle se régénérera avec le temps. Voilà, donc la cata qui est devant toi, qui t'a vu taper le sol violemment avec le mur, faire une belle entaille du mur au sol, commence à pouffer un peu et décide de faire crunch crunch quand même. Ça, elle a fait crunch crunch. Mais elle a fait le petit avant. Hein. C'est pas aussi mignon que ce que je pensais, ce truc. Ouais, bah, pff, le tien, il est méchant, le sien, il est gentil. Hein. Je suis désolé de te dire. Disons que, en fait, elle tape à hauteur humain. Elle était habituée à cruncher de l'humain. Donc, elle tape au-dessus avec les dents. Elle vise la tête qui est plus haute. C'est pas de bol. Elle a pas l'habitude en fait, de taper sur ses petits. Ouais, c'est exactement ce qu'elle a habité de cruncher. Ouais, voilà, et... toi, t'es de la bonne taille. Le mien, il me fait des léchouilles. Voilà, ouais, c'est... tu vois les tentacules un peu voler autour de toi. Quand il essaie de te mordre, tu te dis, tiens, j'ai envie de lui gratter sous le menton. Ouais, t'as gratté le sol à la place. Est-ce que j'entends payer mes petits coups d'essai? Non. Non. Disons que tu l'aurais déjà entendu sous la douche, ça. Cérébellum, à toi. Je prépare mon action pour au moment qu'elle va crunch crunch tirer pour espérer lui donner un malus sur son toucher et faire des dégâts. Alors tu feras des dégâts potentiellement, mais tu lui fileras pas forcément de malus. Mais tu pourras lui mettre les dégâts au moment où elle est. De toute façon, c'est ta Flirkin. Et bah je retape avec la crosse. Enfin, attends. Oui, je retape avec la crosse. En fait, j'essaye. Le chien, il t'attonne. J'essaye de me débarrasser du truc, mais si jamais je bouge les bras, le truc, il a un peu l'écrou. Non, en fait, il t'attaquera pas. C'est-à-dire que tant que tu fais pas un truc qui lui donne une attaque d'opportunité, c'est-à-dire quitter sa zone d'engagement, donc te désengager du corps à corps sans le faire de manière prudente, ou tirer au corps à corps. Il pourra pas faire l'attaque d'opportunité, même si tu essayes de le taper comme ça. Oui, non, mais ces creux sont pas enfoncés dans un pot, là, justement. Non, 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 bah non, entre chaque truc, il recule un peu, il te re-crunch ailleurs. Tu sais, il essaye de trouver le meilleur morceau, quoi. Putain, mais moi, tout à l'heure, je croyais que tout à l'heure, j'avais justement les crocs coincés, en fait, c'est pour ça que je me parais pas. Non, 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 et à chaque fois qu'il crunch, c'est qu'il recule et qu'il redonne un coup de croc. Donc, tu vois, t'étais mordu une fois au mollet, une fois à la cuisse, une fois à l'épaule. J'essaye de m'éloigner prudemment un peu. Putain. Un peu mettre... Ok, donc tu te déplaceras que de une case. Tu fais 1,5 de distance avec ce premier mouvement. Alors... Je suis derrière toi. Hein. Voilà, donc tu peux pas reculer. Ouais. Et en fait, tu peux pas vraiment quitter sa zone d'engagement. Ah, ah si tu vas dans le sas. En fait, si tu vas là, tu vas reprendre le combat. À quelle distance c'est considéré que je ne suis plus là t'es plus en combat. T'es plus au combat. Il a plus la portée de t'atteindre. Ouais, c'est une portée normale, hein, comme toi. C'est-à-dire que s'il est pas à la case d'à côté de toi, voilà. Quand tu dis que je suis plus au combat, c'est que je suis plus au corps à corps. C'est, oui, c'est ça, ouais. Attends, je zoome un peu plus parce que c'est vrai que je suis loin. Et le chat aurait ouais, bah, se plaindre de ça. Mais là, voilà, on va considérer que t'es plus au corps à corps. En plus, il y a un peu l'abri à côté, donc voilà. Du coup, j'avais que ça comme action ou j'ai... Alors là, t'as fait une demi-action pour te déplacer prudemment. Attends, bah attends, je vais regarder la liste des actions de combat que je voulais donner. Oh, elle est dans la fiche. Voilà. Action de mouvement. Se déplacer, non, c'est pas ce que t'as fait. Attends, le stream vidéo, il est là. Ouais, si, c'est, tu t'es déplacé, effectuer un mouvement de déplacement prudent. Donc tu as encore une action simple si tu veux. Ou une autre action de mouvement. Et bah, j'attaque à distance. Oui, bah, tu tires quoi. Oui, voilà. Tu braques ton flingue sur la saloperie en disant putain, tu m'as goûté, bah goûte donc ça. Ou n'importe quelle autre répartie que tu aimes et que tu peux claquer à ce moment-là. Alors, Ah putain, je suis pas en full attaque du coup.
Non, t'as pas le droit. Full attaque, c'est en... Full attaque, il faudrait que tu ne sois pas déplacé, que tu aies ton action complète. Là, tu as juste une demi-action. Tu touches, hein, tu... Oula. C'est à peu près le bruit qu'a fait mon perso. C'est à peu près le bruit que t'as fait ton perso, et c'est aussi à peu près les dommages que tu lui as fait. Hein. Reste où tu es. Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup... Est-ce qu'on a le drone avec nous? Ouais, le drone nous a suivis, il est à l'entrée. Mais le drone n'intéresse pas du tout les bestioles. Ouais, mais alors les spectateurs, ils doivent être en mode... Hein, okay. Il peut pas foncer sur les bestioles pour les buter. Ah, du coup, lui, il se déplace, hein. Non mais... Là, maintenant, toi, si tu veux te barrer, c'est par l'espace, hein. Oui, c'est ce que j'ai pas fait dire. Il va faire un petit scrunch aussi. Mon vaisseau est toujours à passer régulièrement derrière. Alors là, t'as peut-être pas encore eu le temps de faire le tour complet, parce que mine de rien, c'est le début du combat. Pourquoi? Ah oui. Mon action préparée, tu vois. Oui, non mais oui. C'est du pistolet laser. Aucune qui touche. J'aurais pas dû faire de full. Ah ouais. Sans full, l'attaque aurait touché. Peu importe le résultat que t'aurais fait. Et du coup, il attaque. C'est ce qu'il y a ? Tu t'en prends 4. Oh. Et tu me fais un test de vigueur. Et j'utilise un malus. T'as fait deux sur moi là ? Il a attaqué ? Bah non, il a attaqué celui qui est devant. Bah tu t'es décalé, hein. Techniquement, t'es plus le premier dans sa ligne de vue maintenant. Test de vigueur. Ah là, c'est plus la merde. Ah ouais, là, c'est échec, hein, parce que je t'ai dit que tu prenais le malus. Hey, pote de malus que je t'ai mis sur la main, ça va être très chiant. Mais non. Non, vous inquiétez pas. Oui, bah t'as raison. Mais non. Franchement, moi, je dirais, Altea pourrait vous confirmer que vous avez rien à craindre. Moi franchement, aussi, je peux vous confirmer que vous avez rien à craindre. Suivant. C'est ça. Siska, c'est à toi. T'es encerclé. C'est super. Bah, t'as pas vu que l'autre derrière, qui couvrait tes arrières, elle a fait « Attends, je fais un pas de recul. » Il t'a pas précisé, il a reculé, il a tiré. T'as entendu un tir, tu t'es dit « Bon, bah, il tire. » Ok, c'est dans le combat. Littéralement. Je me fais attaquer dans le dos. Ça et change moi, rien. Aquaxi, ils ont les bonus de frise en tenaille. Oh. Oh, bien sûr que j'avais oublié ce détail-là. Oh. Bien sûr que oui. Bah, un plus 2 pour toucher. Quoi. C'est ça. Ouais. Bah, pas le choix, hein. Il va falloir attaquer encore. Encore et encore et encore. Ah oui, non, mais c'est ça. Hein. De toute façon, t'as plus le choix. Là. Maintenant, c'est t'attaques. La question, c'est lequel tu veux pourrir. Techniquement, tu continuerais celui qui est devant toi. Oui, oui. Enfin, du coup, oui. Allez, faut que ça passe. J'ai bien fait de mettre quand même le malus, hein, sinon il aurait réussi son jet. Ouais. Ça passe pas. Ouais. Du coup, bah, celui qui est devant toi, lui, il a vraiment pas le choix, il est obligé de te crunch toi. Forcément. Ah oui, non, mais lui, il a pas le choix. Hein. Ah, le 14, ça, il ne doit pas passer hein, au crunch. Ah merde, non, je vais tiens. Si, il a bonus plus 2, j'ai oublié, tenaille. Ah bah, et puis j'ai fait un 2 derrière. Hein, donc... Nice. Ouais. Non, mais tu l'avais déjà. Ah, je te rassure. Comme j'ai mis un malus, tu l'avais déjà. Hein. Enfin, tu peux essayer de la doubler si tu veux, mais bon. ça change rien, quoi. Vous êtes maudit, vous êtes maudit. C'est pas que vous êtes maudit, c'est. Bah voilà. Je prends quand même des dégâts, pardon. Bah c'est marqué, hein. Tu prends le 5. Le 5. Tu prends 8. Le premier. Non, non, pas le 8, parce que le 8, même avec le bonus de plus 2, ça fait 10. Comme tu as 15. 15. Hop. Voilà, c'est tout. C'est bien plus. La vie commence à te attaquer. Je saigne. Ah bah là, oui. Hein. Je blite. La mort ou le chichi ? La mort part. C'est con, elle aurait pu connaître l'amour une première fois. C'est Bellum, c'est à toi. Bon ben, je foule sur le même que je ok, tirais. Donc c'est celui du dessus, là. Fais un échec, fais un échec, fais un échec. Bah les deux touches. Il s'écroule. Ah bah quand même. Je suis pas capable de gérer ce que je vous demande de gérer, quoi. Il s'écroule. Flirkin, c'est à toi.
Je. Alors, il s'écroule, genre il est mort ou. Ah oui, oui. Alors, bah, je dis. Là, il s'écroule. En soi, tu sais pas réellement s'il est mort ou pas, hein. Mais il semble par terre, troué, plus vraiment bougé. Je tire sur l'autre. Tu te dis, soit tu passes un peu de temps pour être sûr, à vérifier, soit tu t'occupes de l'autre. Tu tires sur l'autre dans un corps à corps, ok. Attends, je suis encore à corps avec l'autre. Non, Siska est au corps à corps. Ouais, et puis, mais par contre, il a fait la même chose, Cerebellum, hein, juste pour. Oui, c'est bien, oui, mais ouais. Il a fait la même chose deux fois, c'est-à-dire une fois avec Sarkin. Mais lui, il a les lignes de vue directes. Alors que là, techniquement, si tu regardes. Bah, il a une ligne de vue directe. Ouais, mais t'es un peu sur potentiellement le trajet. Ouais, attends, à moins qu'il y ait un mec qui dévie son bras. Non, mais ça veut juste surtout dire que s'il y a un échec critique, c'est pour ta gueule. Et je rappelle que je suis 1m50, hein. Logiquement, le tir, il passe sur ma tête. Tu veux que je te donne la taille de la bestiole? Alors, tu fais 1m50. Je fais une full attaque. Alors, ils font détail M des créatures en face. Ah, voilà. Oui, mais lui. Non, mais. Du coup, un peu plus de 1 mètre de haut. Voilà. Mais c'est ça, du coup, c'est un gros chien, hein, les gars. C'est ça. C'est des chiens de 200 kilos, mais voilà quoi. C'est des chiens de 200 kilos, mais ils font qu'un mètre, donc tu es limite plus grand. Ouais, un tout petit peu. Alors, la première ne touche pas, la deuxième touche. Merde, si je suis plus sur mon truc. Il n'y a pas d'échec critique. Non. Je ne vois pas ce que vient faire leur masse dans l'histoire de savoir si ça touche ou pas. Non, mais c'est pour savoir qu'on s'est dit que taille M, ils prennent en compte la taille, la largeur et le poids de la bestiole. Achat de crédit, non, c'était il y a une heure. D'accord. Donc, du coup. Allez, Firkin, détruis-la. Donc, lui, il est mort. C'est ce cas. Allez, c'est ce cas, détruis-la. Vous le direz, hein. Vite. Et là, c'est ce qu'il me fait. Ouais, j'attaque. Qui? Celui qui est derrière moi. Yeah. Derrière toi, c'est ton allié. Je me suis pas retourné. Non. Nul. Attends, je vais te dire ça. Hein, parce que tout à l'heure, tu as fait des jets vraiment merdiques, mais là. Ça m'étonnerait que ça passe la CA, quand même. Non, ça passe pas. Bah ouais. Parce que c'est assez qu'il faut que je regarde. Et donc voilà. C'est ça. Je te dirai un truc juste après le combat, quand même. Juste pour rigoler. Qu'on rigole tous ensemble. Non. Ah non, mais vu ce, je lui dirais là, c'est assez qu'il a, qu'on rigole, qu'on rigole de comment il va être dégoûté. Il a 14, ouais, d'accord. Non, non, pas besoin qu'il soit à 14. Tiens, les deux te touchent au passage. Lui aussi, il commence à saigner, ça y est. Ah bah là, non, je pense que là, Siska, il est plus qu'en mode je saigne. Il commençait déjà au tour d'avant. 3, 8. Ouais, tu t'es pris 11. Oh. Je perds pas de temps, moi. Ouais, vas-y. il est pas encore mort, mais tu lui as mis. Il y a que la première, mais ça, c'est correct quand même. Hein. J'ai envie de te dire par rapport aux deux autres. Firkin, à toi. Tire dessus. Ok, donc tu braques ton pistolet, tu tires. Tu peux faire de la full attaque si tu veux. Oh merde. Le double dans ta gueule. Alors 6-4, tu prends 4. Je suis mort. Enfin, je suis par terre. T'as 0 PV, quoi. Et sur tes alliés. Alors, 6-4, je tiens quand même à te préciser. Tu as pris l'attaque de face, donc t'avais mal. Mais là, avant de t'écrouler... Mais il est mourant là pour l'instant, il est pas encore mort. Ouais, il est mourant. Bon, t'es soigné par Alberic, donc tu redeviens full life, mais t'as senti quand même le tir qui venait dans ton dos. Hein. J'aurais aimé qu'il meure. Donc t'es le nouveau full life, tu peux te remettre full life. Mon et perso fait un petit oups. Et je suis guéri du malus. Et tu guéris du malus aussi, n'est-ce pas? Non, autant... non. Ah, quoique. C'est pas pris en compte ça. Allez, ouais. Autant un, ça peut passer, mais là t'as fait exprès, t'as tiré deux fois de suite. Est-ce qu'on soigne le malus ou pas, les maladies ou pas quand il y a un médic? Ah bah c'est un médic, hein. Ça soigne tout. Les de base, c'est juste pour les points de vie. C'est ça, la base, c'est juste les points de vie. De base, c'est les points de vie qui s'est marqué points de vie, points d'endurance et. Et c'est tout. Et persévérance. On avait dit ça aussi. Ouais, persévérance. Ça faisait revenir tout ça. Ouais. Dans ce cas-là, je demande que ça me rend mes points, mes magies par jour et tout. Hein. Ouais, ça serait abusé. Les magies, c'est sûr que non. Non, là, on parle de santé. Hein. On parle pas de. Mais santé, sachant que c'est un soin, c'est pas pareil.
Bon, je sais pas ce que tu nous as fait, mais... On va faire ça. Pas la magie, parce que ce n'est qu'un médic, ça ne peut pas soigner un malus. Ouais. Vas-y, c'est ce qu'il y a, défonce maintenant. Donc vous décidez que ça soigne ou pas ? J'ai pas suivi. Non. Bah non. Non. Bah moi, oui. Hein. Oui, toi, oui, c'est normal. Et Skirkin, tu décides quoi, oui ou non ? Que ça soigne les... Les maladies potentielles maladies que vous avez, mais que vous n'êtes pas forcément au courant. Bah non. Non. Moi non. Ok, donc la majorité l'emporte, c'est ce cas, je suis désolé. Sinon, il y aurait une égalité, je l'aurais tiré au dé. C'est pas spécialement contre toi, X6. Non, hein, c'est la magie aussi. C'est aussi une maladie en plus, et voilà. Ouais, sauf que toi, en plus, on sait que c'est mortel, mais on sait pas sous combien de temps d'ailleurs. Il va falloir que je gère ça, un de ces quatre. que je décide quand est-ce que tu vas commencer à te sentir pas bien et que tu te dises, tiens, il y a un truc qui est pas normal. Fais-moi mort par un chien avant, s'il te plaît. Du coup, c'est à moi. Ouais, du coup, c'est à toi, Siska. Je me recule prudemment. Ok. Derrière. Il trébuche sur le cadavre derrière. Et je tire. Ok, bah fais ton jet de tir. Allez, tiens. Est-ce que je crame un malus ou pas ? Ouais, je vais cramer un malus. Faut bien que je crame. Je l'ai dit avant hein, que tu fasses le lancer. Non, mais le lancer, t'es déjà parti. C'est juste qu'il a mis du temps. Il a pas. Le lancer est déjà parti, c'est juste qu'il y a du temps et... La créature, croc-croc. Alors, quand même, hein, parce que j'avais dit le malus. La créature, t'es toujours en vol, toi. Ah oui, je suis toujours au-dessus des PC et tout, je suis en vol. Qu'est-ce que tu crois? C'est moi, je teste d'acrobatie si tu veux venir me mordre. Bah, en soi, là, techniquement, il peut se placer de telle façon à en engager deux au corps à corps. C'est vachement plus intéressant. Ouais. Et il ne sera pas pris en tenaille, en plus. Ouais. Donc, il va se placer là, et il va scrunch-crunch. Lequel ? Juste un scrunch, hein, parce qu'il n'a pas le droit au scrunch-crunch. Bah, celui-là. Il a l'air moins bien en point. Il va attaquer celui qui a l'air moins bien en point. Hein. Hey, dégage ! Ils ont l'intelligence pour réfléchir comme ça ? Ils sont pas à zéro d'intelligence. Hein. Ouais, instinct du chasseur. Hein. Ils attaquent la proie la plus faible. Par contre, l'attaque, elle est passée. Oui. Ouh, putain, c'est long. 13. Oh, ça va pas passer à 13, tu vas me dire. Bon. Bon. Je suis sûr que non. Je prie. Je croise les doigts. Mais oui, t'as 16. T'as 16. C'est bon. C'était à toi, oui, en effet. Bah oui. Oui, non, j'étais en mode attends, mais oui, j'ai pas fait le turn order. La première touche, pas la deuxième. Faut que je pense aussi que t'as des malus. Hein. Parce que toi, t'es efficace, donc non, il faut que je pense que t'as des malus. C'est toujours les mêmes qui se prennent des malus, bizarrement. Alors. Du coup, il est. Il est toujours debout devant toi. Enfin, tu vois qu'il a pris quand même un peu. Il titube mais un il peu, quoi, mais. Il est encore. Oui. Oui, il est encore. Oui. Il t'a engagé. Il a engagé Siscar. Vous êtes tous les deux encore à corps. Je prends le risque de lui faire une full attaque au corps à corps. Ok, bah il touche crunch. Enfin, pas au corps à corps, mais. Avec la crosse ou avec ton pistolet? En tirant dessus. Si jamais je veux buter avec le pistolet, est-ce que je me prendrai l'attaque? Tu prends l'attaque d'opportunité dans tous les cas. Du moment que je dis tu prends l'attaque d'opportunité, que je l'oublie pas. Hein, si je l'oublie, tu la prends pas. Mais si je te l'annonce, tu la prendras. Bon, bah la crosse. Ok. Chier, sale bête! Full attaque, du coup. Je sais pas si je peux faire une full attaque Si, tu peux faire une full attaque. T'as pas changé d'arme, t'as pas dû dégainer une nouvelle arme, tu t'es pas déplacé, t'as rien fait d'autre, donc t'as le droit à ta full attaque. T'as le droit à une action complexe si t'as rien fait d'autre. C'est bon. C'est prêt. Non, mais je sais que ça. Eh ben, la première touche, pas la deuxième. Rien comme dégâts, mais bon. Ouais, bah d'un autre côté, c'est avec une arme improvisée, tu fais un D3 de dommage. Oui, mais au moins. Je sais pas si j'ai pensé, je l'ai peut-être mal fait la macro parce que je l'ai fait rapidement. Je vais vérifier. Siska, c'est à toi. Ouais, j'ai peut-être oublié le plus la force. Vas-y, Siska. Ouais, j'ai oublié le plus la force, donc techniquement, t'as fait un déplacement prudent là ? Tu me l'as pas dit ?
J'ai fait l'erreur. Oh, attaque d'opportunité, vu que t'as pas dit que c'était un déplacement prudent. Il te scrunch. Ah, mais putain, j'étais, mon micro était coupé. Oh, c'est dommage. Oh, d'un autre côté, il ne touche pas. Hein. Donc, t'inquiète pas. C'est con de couper son micro. Hein. Et je tire. Tu tires sur la créature ou sur celui qui t'a tiré dessus? Sur la créature. J'avoue que la question se pose. Vas-y, tire. C'est la question en mode tu tires sur ton allié ou sur le monstre? Parce que les deux sont contre toi. Hein. Peu m'importe parce qu'il n'a eu qu'une considération pour moi. Donc, tu le touches et il s'écroule. C'est pas la même chose. Après. Il s'écroule. Les accidents, c'est ça arrive. Il s'écroule. Voilà. Ah. Enfin. C'était laborieux. On a perdu le nain ou pas encore? Toujours pas. Toujours pas, et de toute façon, on va s'arrêter là. Bonne soirée. Ok. C'est là qu'ils s'en vont vite. C'est pas pour rien que je rechais mes tours. Alors, juste pour t'indiquer au corps à corps, Siska, tu sais quand t'as fait 13 et 12? Oui. Il a 13 de CA. Voilà. Ah bah oui. Donc il fallait que tu fasses 14 pour le toucher. Bien sûr. La défense l'emporte. C'est con, hein. Écoute, ça ne m'étonne plus. Ça m'étonne plus que mon MJ cherche à me tuer. Ouais, ça va, j'ai fait deux critiques sur la session, je suis content. Alors, je cherche pas. Du MJ, de toute façon. Je cherche pas particulièrement à le tuer lui. Hein. Si tu regardes, j'ai attaqué tout le monde. Des fois, je t'ai même fait attaquer toi. Ah, je disais ça pour rigoler. Hein. On cherche à le tuer, visiblement. Il y a un peu de vérité, quand même. Alors là, j'avoue Non, Renan, il dort pas, hein, je l'ai entendu. Donc, ceux qui ont parié sur non, ils gagnent. Sur le fait qu'il dort. Je vais clôturer la prédiction, d'ailleurs. Voilà, il va clôturer la prédiction, et juste après, il va s'endormir. Juste après, on l'entend ronfler. Bon, bah, au revoir, mes petits points. Ouais. Est-ce que si je les utilise maintenant? Ah non, tu les as déjà dépensés, en fait. Ah oui, donc ça va. En fait, tu les dépenses au moment où tu payes pour la prédiction, donc voilà. D'ailleurs, je vais m'acheter des crédits. Au revoir les détails. Tu vas t'acheter des crédits, je vais te les mettre. Qui nous a quittés? C'est Groob, je crois. Oui. Bonne nuit à lui. Moi, je suis toujours là. Merci pour la soirée, même si j'ai esquivé la partie chiante de ce scénario. Putain, j'avoue. Ouais, parce que tu savais déjà ce qui allait y arriver. Hein. Alors, oui et non. Mais il n'y a rien de marrant qui était là, et Dynamique, il est là pour ce qui est marrant. Ouais, non, oui. Donc, RPM-ment parlant, j'ai pu trouver une solution pour esquiver. C'est ça. Et je sais même comment ça va finir pour toi. J'ai peur aussi. Bah, tu le connais, de toute façon, le scénario. T'as déjà fait. Alors oui, mais c'est pas pour ça que je peux pas avoir peur. Donc techniquement, tu vas devoir lutter contre ce petit détail-là. Ouais, je sais. Voilà, après... tu les spoil, là, moi, ouais. Ouais, non, mais voilà, mais après, t'es niveau 4, donc ça devrait aller. Flirkin, il faut pas que t'oublies d'ici la prochaine fois à faire ton level up. Ah oui. La prochaine fois, d'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de chercher Flirkin pour lui mettre ses 100 points. Voilà. La prochaine fois, ça sera quand? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, nous sommes le... Tac-tac. Le 26. C'est la sortie de MH Rise. Alors, s'il y a un empêchement, je vous rappelle que non, je suis toujours disponible pour vous nous le disiez, hein, et comme ça je préviens tout le monde. Non, là, ce serait purement égoïste. S'il y a un empêchement, franchement, il va falloir contrer 33 heures de stream. Voilà. Il faut un vrai empêchement du genre, tu n'es pas physiquement derrière ton PC. Alors, moi, il faudra que je confirme, mais ça sera peut-être le 9 que je ne serai pas là. Ouais, bon, bah, du coup. Voilà. Donc, à part si j'aime quoi. À part si on peut, si Roll20 ça marche avec les tablettes. Alors oui, ça marche avec les tablettes. Je sais qu'il y a une application, je l'ai jamais testée par contre. Ok, faudra que je regarde parce que du coup c'est juste que je serai chez ma mère et que j'ai pas d'ordi là-bas, mais j'ai une tablette donc. Voilà, après il faut juste Discord et Roll20. Je sais pas comment ça marche. Donc après on peut faire des tests. J'ai une tablette, ouais. Je pourrais faire des tests si tu veux. On regardera et du coup je dirai si je serai là ou pas. Voilà, pour ton level up, t'es niveau 3 donc ça va impliquer certaines choses.
Ouais. Hein, je crois que tu as un don à choisir au niveau 3. Ok, faudra que je regarde ça. Voilà, il faudra que tu regardes. T'hésites pas à demander de l'aide si tu veux. Grou, Bronin, moi, X6, on peut essayer de t'aider. Ouais, enfin, moi, il va falloir attendre. Oui, non, mais pour Ronin, il faut pas l'emmerder avant la semaine prochaine. Ouais. Hein, ce week-end, il est out. Voilà. T'as quoi d'autre que tu vas devoir choisir? T'as déjà l'astuce de mécano en théorie. Tu vas gagner la spécialisation martiale. C'était okay. Bien. Spécialisation martiale, c'est un truc de base. Hein, que, donc, toutes les armes que tu maîtrises grâce à ton skill de mécano, grâce à ta classe, tu as l'équivalent du don spécialisation martiale dessus. Ça te permettra de toucher plus facilement. Ou de faire plus de dommages, je sais plus. Ok. Donc voilà. Voilà ce qu'il faut que vous pensiez à faire. Peut-être d'éviter un petit peu des scrunch-crunch si jamais je les tue avant. Okay. Les scrunch-crunch, tu les tueras pas en une fois, vu ton arme. Oui, mais si je peux en avoir moins, ça serait déjà bien. Ah oui, non mais t'inquiète pas, il y en a encore qui traînent. Et c'est pas des scrunch-crunch, c'est des akata. Oui, mais faut des... moi je parle de leur attaque, là. Ah oui, bah leur si attaque, c'est morsure. Hein. Oui, c'est scrunch-crunch. C'est morsure, hein. Ils ont pas vraiment beaucoup de choix de nom d'attaque. C'est pour ça que je dis scrunch-crunch, parce qu'ils te mordent. Oui, non, j'ai compris. Bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conneries Bon, bah, Ronin, il s'amuse avec le pilotage. Achat de crédit, ok. Oui. Tu dois être au-dessus de... T'es là. Alors, en vlaçant, il faut que je vérifie si t'as pas repayé d'autres. Hein. Non, c'est bon. J'en ai vu 3000. Ah bah si, t'en as payé d'autres, parce que moi je t'en ai mis 100, oui, donc il t'en manque encore 200, quoi. Okay. T'en manque encore 200, je te les mets tout de suite. Du coup, ça me fait combien de crédits sur... Bah, je peux te le dire. Je vais le voir, 415. 415 et X6... Pourquoi je suis passé du rank 50 au rank 49? Parce que tu as plus de 400 de crédits, alors qu'il y en a plein qui sont en dessous, tout simplement. Comment ça se fait que j'ai 159 crédits? Ah putain, oui, non, mais c'est, oui, c'est dans le sens... ok, c'est dans le sens... Comment ça se fait que quoi, c'est X6? J'ai 159 crédits, alors que j'en ai acheté 3000. Bah t'as dépensé des crédits aussi. Ouais. Ouais, il en a acheté 300, donc en théorie, je lui en ai mis. Je suis en train de le rechercher, du coup. Tu dépenses 3000 points de chaîne, mais ça te donne seulement 300 crédits. 300 crédits, ouais. Voilà. Bah, je remercie tous ceux qui nous ont suivis aussi pour nos conneries, qui sont encore là. Ouais, ouais. Merci à tous. À 12 personnes qui nous ont subis. J'ai l'impression que mon pote n'a quasiment rien fait, mais d'un côté, il est sur arme à moitié. Donc... Alors, Bellafort n'a pas fait grand-chose, je te le confirme. Mais d'un autre côté, comme ça, il stack ses points pour la prochaine fois. Ne lui donne pas d'idée, s'il te plaît. J'espère qu'il n'a pas entendu. Ah, mais non, mais tu vois, je suis pas comme ça. Attends. Chuchoter. Pense à farmer les crédits pour pourrir Flirkin. Il, bah, il a adore cela. Oui, mais je le fais quand même en MP, qu'il ait une trace. Voilà. Je jamais invité. Ça se gagne pas si vite que ça. En fait, si. Pour tous ceux qui s'intéressent à ça. Pour gagner les MP. Enfin, les crédits. Un, follow la chaîne. Ça vous en donne. Deux, vous abonner. Bon, ça, c'est si vous avez des sous. Mais ça vous en donne aussi. Je vais même vous dire combien. Me follow, c'est 100 crédits donnés. Vous abonner, c'est 400. Faire une donation, c'est 80. Et balancer des bits, c'est 120 pour 100 bits. Voilà. Sinon, juste le fait de rester sur mes lives vous fait gagner 5 crédits pour 10 minutes, je crois. De live. Et vous n'êtes pas obligé de parler. C'est-à-dire que vous mettez le live, vous coupez le son, vous le foutez en fond, vous faites autre chose. C'est bon. Vous gagnez les crédits. Alberic peut confirmer. Méthode approuvée. Voilà. C'est une technique. Comme ça, vous avez des crédits facilement. Si vous voulez parler avec moi, vous pouvez parler. C'est une option. Et vous, pour le prochain live, vous êtes au taquet pour pouvoir faire quelque chose. Aider, pourrir, comme vous voulez. J'ai envie
abandonner là et aller m'écrouler dans mon lit. Yes. Pas de problème. Merci, Romain, on va arrêter là. Fait. Ouais. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Rattrape bien tes 33 heures, 34, 35, bref. quand c'est marqué pour le médic, deux médics par joueur, c'est deux médicaux en tout ou par séance? Par séance. Ok. C'est par séance. Après, je me suis pas fait chier à payer les. Je pourrais mettre, vous êtes 4, je pourrais dire que c'est 8 médicaux au total. Si vous préférez que je fasse ça, je peux le faire. Sachant que ça sera que 2 médics de toute façon par joueur. Mais c'est juste que là, en mettant limité, c'est que j'ai pas à recharger entre chaque live pour dire attends, il faut que je pense à remettre des médics. Alors que là, par exemple, Alberic a payé le niveau, il faut que pour le prochain live, je pense à remettre un 1 dans la boutique. Ouais, non, mais c'était juste. Oui, tu dis bonjour et tu dis des conneries, Alberic, c'est vrai. Mais t'es aussi des fois pas mal au fond auprès du radiateur en train de renfler sur ton tas de crédits qui augmente. Moi, je vais y aller aussi. Oui, moi, de toute façon, on va s'arrêter là. Hein. Moi, je vais... Encore merci aux viewers d'avoir été là. Je vous dis une prochaine fois peut-être pour la suite de Starfinder ou pour d'autres JDR. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vais juste regarder qui c'est que je peux raid. Nioh 2 ou Persona 5, vous préférez quoi? Si vous avez un streamer que vous voulez Persona 5, bah ça sera à Win Origin. Je sais pas s'il est encore en live longtemps, je vais regarder ça rapidement. Bonne soirée. Je regarde juste si Win Origin. Tu vas aussi? Eh bah bonne soirée à toi, merci d'avoir été là. Du coup, je vous envoie donc sur Win Origin qui est en train de faire du Persona 5 Royal. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous.